Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie du fameux roman d'Agatha Christie, Le meurtre de Roger Ackroyd. Alors, nous étions arrivés au chapitre 9, Le bassin aux poissons rouges. Nous reprîmes ensemble le chemin de la maison, sans même apercevoir l'inspecteur. Sur la terrasse, Poirot s'arrêta face au parc et promena son regard autour de lui. Belle propriété, dit-il enfin, une note de respect dans la voix. Qui en hérite? Je faillis sursauter, aussi bizarre que cela pût paraître, je ne m'étais jamais posé la question. Poirot m'observait avec attention. On dirait que je vous ouvre des horizons, docteur. Vous n'aviez jamais envisagé cet aspect des choses? Non, répondis-je sans détour, et je voudrais bien l'avoir fait plus tôt. L'attention de Poirot s'aiguisa. Je me demande bien ce que vous entendez par là, dit-il d'une voix rêveuse. Oh non, inutile de me répondre. Vous ne m'ouvririez pas le fond de votre pensée. Tout le monde a quelque chose à cacher, rétorquai-je en souriant, citant ses propres paroles. Exactement. Vous le pensez toujours? Plus que jamais, mon ami. Mais cacher quelque chose à Hercule Poirot n'est pas si facile. Il possède un flair de limier. Tout en parlant, mon compagnon descendait les marches qui menaient à ce qu'on appelait le jardin hollandais. Allons faire quelques pas, lança-t-il par-dessus son épaule. Il fait si bon aujourd'hui. À sa suite, je m'engageai sur un chemin qui descendait entre les ifs, sur la gauche. Une allée s'en détachait, bordée de parterres fleuris, soigneusement ordonnée. Elle menait au centre du jardin, là où un rond-point dallé servait de cadre à un bassin à poissons rouges. Il y avait aussi un banc de pierre, mais Poirot ne prit pas cette allée et bifurqua sur un sentier qui remontait en pente douce, entre les arbres. Là aussi, nous trouvâmes un siège, à l'endroit où l'on avait éclairci le bosquet, pour ménager un magnifique point de vue sur la campagne environnante. De là-haut, le regard plongeait directement sur le rond-point dallé et le bassin. L'Angleterre est vraiment très belle, dit Poirot en contemplant le paysage d'un air rêveur. Puis il sourit et ajouta en baissant la voix. Les jeunes Anglaises aussi, d'ailleurs. Mais chut, taisons-nous, mon ami, et regardons plutôt ce charmant tableau. Ce fut alors que j'aperçus Flora. Elle descendait d'un pas dansant le sentier que nous venions de quitter. Elle fredonnait un petit air, et malgré sa robe de deuil, tout en elle exprimait la joie. Soudain, elle pirouetta sur la pointe des pieds dans un envol de jupe noire, renversa la tête en arrière et éclata de rire. Au même instant, un homme surgit d'entre les arbres. Hector Blunt. La jeune fille sursauta et son expression se modifia légèrement. Vous m'avez fait peur, je ne vous avais pas vue. Blunt ne répondit rien, et pendant une bonne minute se contenta de la dévisager. Ce que j'aime en vous, dit Flora avec une pointe de malice, c'est le brio de votre conversation. Blunt dut en rougir sous son hâle, et quand il reprit la parole, sa voix me parut changée. J'y discernais une sorte d'humilité qui ne lui ressemblait pas. Je n'ai jamais été brillant causeur, même quand j'étais jeune. Ce qui remonta loin, j'imagine, observa Flora avec le plus grand des sérieux. Si je perçus la note moqueuse de sa voix, je crois qu'elle échappa à Blunt, qui se borna à répondre. Très loin, c'est vrai. Et quel effet cela fait-il d'être vieux comme Mathusalem? Cette fois, la raillerie était plus sensible, mais Blunt avait d'autres idées en tête. Vous vous souvenez de cet homme qui vendit son âme au diable pour retrouver sa jeunesse? C'est le sujet d'un opéra. C'est à Faust que vous pensez. Tout juste. Pas banale son histoire. Beaucoup d'entre nous aimeraient bien pouvoir en faire autant. À vous entendre, on vous prendrait pour un vieillard cacochyme, lança Flora d'un ton mi-figue, mi-raisin. À nouveau, Blunt s'enferma dans le silence. Puis, le regard au loin, comme s'il s'adressait à l'un des arbres environnants, il annonça qu'il était temps pour lui de regagner l'Afrique. Pour une de vos expéditions de chasse? En principe, enfin, comme toujours. L'animal accroché dans le hall, c'est vous qui l'avez tué, non? Blunt hocha la tête, rougit et débita tout d'une traite. Si vous aimez les belles peaux de bêtes, je pourrais vous en envoyer quelques-unes. Oh oui, s'il vous plaît, s'écria Flora. Vraiment, vous ne m'oublierez pas? Je n'oublierai pas, promit Hector Blunt. Puis, sortant subitement de sa réserve, il est temps que je parte. Ce genre de vie n'est pas fait pour moi. Ce n'est pas mon style. Un ours comme moi n'est pas à l'aise en société. Je ne dis jamais ce qu'il faut dire, vraiment. Il vaut mieux que je m'en aille. Mais pas tout de suite, s'exclama Flora. Pas au moment où nous avons tous des ennuis. Oh, je vous en prie, si vous partez. Comme elle se détournait, Blunt demanda très simplement et sans détour. Vous souhaitez que je reste?
Nous le souhaitons tous. Non, coupable Blunt d'un ton net. Je veux dire, vous, personnellement. Flora se tourna lentement vers lui et leurs yeux se rencontrèrent. Je souhaite que vous restiez. Si une telle déclaration change quelque chose pour vous. Cela change tout, dit Hector Blunt. Un silence s'établit et ils s'assirent sur le banc de pierre, près du bassin aux poissons rouges. Ni l'un ni l'autre ne semblait savoir de quoi ils pourraient bien parler ensuite. Il fait vraiment très beau ce matin, finit par dire Flora. Voyez-vous, je ne puis m'empêcher d'être heureuse malgré les événements. C'est épouvantable, non? C'est tout à fait naturel, affirma Blunt. Vous ne connaissez votre oncle que depuis 2 ans, n'est-ce pas? On ne peut donc pas s'attendre à ce que vous éprouviez un chagrin immense. Et il vaut bien mieux ne pas faire semblant. Vous avez le don de consoler les gens, observa Flora. Avec vous, tout paraît si simple. Mais tout est simple, rétorqua le chasseur de fauves. Non, pas toujours. Flora avait baissé la voix et je vis Blunt tourner la tête pour la dévisager. Comme il s'arrachait à la contemplation de la côte africaine, il dut tirer ses propres conclusions de son changement de ton, car après un silence prolongé, il déclara abruptement. Aucune raison de vous inquiéter, croyez-moi, au sujet de ce jeune homme, je veux dire. Cet inspecteur n'est qu'un âne. Tout le monde sait bien que... Bref, ça ne tient pas debout. Il ne peut pas être coupable. Ni personne de la maison. Le criminel est un cambrioleur. C'est la seule solution possible. Flora se tourna vers lui. C'est vraiment ce que vous pensez? Pas vous? Rétorqua-t-il aussitôt. Moi? Si, bien sûr. Un autre silence plana que Flora rompit brutalement. Je vais vous dire pourquoi je me sentais si heureuse ce matin. Même si vous devez me juger sans cœur, je préfère que vous le sachiez. C'est parce que c'est avoué, vous savez, Monsieur Hammond. Il nous a parlé du testament. Oncle Roger m'a laissé 20 000 livres. Vous vous rendez compte? 20 000 belles et bonnes livres. Quelle merveille! Blunt marqua une certaine surprise. Est-ce donc si important pour vous? Important? Mais c'est bien plus que cela pour moi. Cela veut dire tout. La liberté, la vie, la fin des calculs, des privations. « Des mensonges. »« Des mensonges ?» lança brutalement Blunt. Un instant désarçonné, Flora reprit d'une voix incertaine. « Vous voyez sûrement ce que je veux dire. Faire semblant d'être reconnaissant envers vos parents riches qui vous abandonnent leur vieille nippe. Porter les manteaux, les jupes et les chapeaux de l'année d'avant. Tout ça, quoi. Je ne m'y connais guère en chiffon, mais je vous ai toujours trouvé plutôt élégante. »« Oui, murmura Flora d'une voix sourde. Mais à quel prix ?»« Bah !» Ne parlons plus de ces mesquineries. Je suis si heureuse, je suis libre. Libre d'agir à ma guise. Libre de ne pas... Elle s'interrompit tout net et Blunt demanda aussitôt. De ne pas quoi? Rien d'important, j'ai déjà oublié. Blunt, qui tenait un bâton à la main, le plongea brusquement dans l'eau, comme s'il visait un point particulier. Mais que faites-vous, Major Blunt? Il y a quelque chose qui brille là-dedans. Je me demandais ce que c'était. Une broche en or, peut-être? Mais j'ai remué la vase et on ne la voit plus. C'était peut-être une bague, suggéra Flora, comme celle que Mélisande a perdue dans l'eau. Mélisande, répéta Blunt d'un ton rêveur, c'est bien un personnage d'opéra, n'est-ce pas? En effet, vous semblez en savoir long sur l'opéra. Il arrive qu'on m'y invite, dit Blunt sans enthousiasme. Curieuse façon de se distraire, ce tintamarre. Flora éclata de rire. Je me souviens de Mélisande, reprit Blunt. Elle avait épousé un homme qui aurait pu être son père. Il lança un petit caillou dans le bassin et, quand il se retourna vers Flora, son attitude avait changé du tout au tout. « Miss Ackroyd, si je puis faire quelque chose pour vous, au sujet du capitaine Patton, je veux dire, j'imagine par quelles affres vous devez passer. »« Merci, laissa tomber Flora d'un ton sec. »« Mais il est tout à fait inutile d'intervenir. Tout se passera bien, pour Ralph. »« J'ai déniché le plus merveilleux des détectives. » Et il va tirer toute cette affaire au clair. Je commençais à trouver notre situation assez gênante. Nous n'étions pas exactement en train d'épier les deux personnages qui bavardaient dans le jardin, puisqu'il leur suffisait de lever la tête pour nous voir. Néanmoins, je leur aurais signalé plus tôt notre présence si mon compagnon ne m'en avait dissuadé, en me pressant le bras d'un geste ferme. Il souhaitait que je me taise, aucun doute là-dessus. Mais subitement, il passa à l'action, bondit sur ses pieds et s'éclaircit la gorge. « Je vous demande 1000 pardons, s'écria-t-il. Je ne saurais laisser mademoiselle m'accabler de compliments sans me montrer. Qui écoute aux portes a parfois, dit-on, de mauvaises surprises.
ce qui est loin d'être mon cas en l'occurrence. Pour ne pas rougir de honte, il faut que je vienne déposer mes excuses à vos pieds. Je dévalai le sentier sur ses talons et nous rejoignîmes les autres près du bassin. Flora fit les présentations. Major, voici Monsieur Hercule Poirot, dont vous avez certainement entendu parler. Poirot s'inclina. Je connais le Major Blunt de réputation, déclara-t-il avec courtoisie. Monsieur, je suis heureux de vous avoir rencontré. J'ai besoin de certaines informations que vous pouvez me fournir. Blunt lui jeta un regard interrogateur. Quand avez-vous vu Monsieur Ackroyd en vie pour la dernière fois? Au dîner. Et depuis, vous ne l'avez plus revu, ni entendu parler. Revu, non, entendu, oui. Et dans quelles circonstances? Je me promenais sur la terrasse. Pardon, mais quelle heure était-il? Environ 9h30. Je faisais les 100 pas en fumant devant la porte-fenêtre du salon, quand j'ai entendu la voix d'Ackroyd dans son cabinet de travail. Poirot ôta de sa manche un minuscule brin d'herbe. Mais de l'endroit où vous vous trouviez, vous ne pouviez certainement pas entendre parler dans le cabinet de travail, murmura-t-il. Il ne regardait pas Blunt, mais moi, oui. Et à ma grande surprise, je vis rougir le major. Je suis allé jusqu'à l'angle de la terrasse, expliqua-t-il de mauvaise grâce. Ah bon? Fit Poirot, suggérant le plus délicatement possible qu'il attendait d'autres détails. J'ai cru voir une femme disparaître dans les buissons. Enfin, quelque chose de blanc. Juste une silhouette. J'ai dû me tromper. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu Ackroyd parler à son secrétaire. À Monsieur Geoffrey Raymond? Oui, enfin, c'est ce qui m'a semblé. Apparemment, c'était une erreur. Monsieur Ackroyd n'a donc pas prononcé son nom. Non. Alors, si je puis me permettre, pourquoi avoir supposé... Blunt se lança dans une explication laborieuse. Pour moi, cela ne pouvait être que Raymond, et pour une raison fort simple. Juste avant que je ne sorte, il avait annoncé qu'il allait porter quelques papiers à Ackroyd. Il ne m'est pas venu à l'esprit qu'il pouvait s'agir de quelqu'un d'autre. Vous rappelez-vous les paroles que vous avez entendues? Désolé, mais cela semblait très anodin de toute façon. Je n'ai saisi que quelques mots, j'avais la tête ailleurs. C'est sans importance, Major. Et quand vous êtes entré dans le cabinet de travail, après la découverte du corps, avez-vous remis un fauteuil à sa place contre le mur? Un fauteuil? Non, pourquoi aurais-je fait cela? Sans répondre, Poirot haussa les épaules et se tourna vers Flora. Il y a une autre chose que je souhaite apprendre de vous, mademoiselle. Lorsque vous examiniez les bibelots de la vitrine avec le docteur Shepard, le poignard s'y trouvait-il, oui ou non? Flora se rebiffa, le menton haut. L'inspecteur Raglan m'a déjà posé cette question. La réponse n'a pas changé. Je suis certaine que le poignard n'était pas dans la vitrine. Lui pense que si, et que Ralph est venu furtivement le prendre un peu plus tard. Il ne me croit pas, d'après lui, je cherche à protéger Ralph. Et ce n'est pas le cas? Demandai-je avec gravité. Flora tapa du pied. Vous aussi, docteur Shepard? Cette fois, c'est trop. Poirot fit adroitement diversion. Vous aviez raison, Major Blunt. Il y a un objet brillant dans le bassin. Voyons si je peux l'atteindre. Il s'agenouilla près du bord et remonta sa manche jusqu'au coude et plongea le bras dans l'eau, très lentement afin de ne pas la troubler. Malgré toutes ses précautions, des remous se produisirent dans la vase et il fut contraint de retirer son bras, la main vide. Il contempla d'un air écœuré son avant-bras couvert de boue et je lui offris mon mouchoir qu'il accepta avec force démonstration de gratitude. « Il va être l'heure du déjeuner, » observa Blunt en consultant sa montre. « Nous ferions mieux de rentrer. »« Voulez-vous déjeuner avec nous, Monsieur Poirot ?» proposa Flora. « J'aimerais vous faire connaître ma mère. Elle a beaucoup d'affection pour Ralph. » Le petit homme y alla d'une courbette. « J'en serais enchantée, mademoiselle. »« Vous resterez aussi, docteur Shepard. » J'hésitais. « Oh si, j'insiste. » Comme je souhaitais rester, j'acceptai l'invitation sans plus de cérémonie. Et notre petit groupe prit le chemin du retour. Flora et le major Blunt en tête. D'un signe discret, Poirot me désigna la jeune fille. Quelle chevelure magnifique, observa-t-il à mi-voix. De l'or pur. Elle et ce beau ténébreux de Capitaine Patton forment un couple parfait. Ne pensez-vous pas? Je lui jetai un regard interrogateur. Mais il s'absorba dans un nettoyage méticuleux de sa manche, où tremblaient quelques gouttelettes microscopiques. Avec ses yeux verts et ses petites manies tatillonnes, il me faisait penser à un chat. « Et toute cette peine pour rien, » déplorai-je avec sympathie. « Que pouvait-il y avoir dans le bassin, je me le demande. »« Vous voulez voir ?» Devant mon regard, effaré, Poirot hocha la tête. « Mon bon ami, » dit-il avec douceur nuancée de reproche, «
Hercule Poirot ne courrait pas le risque de créer du désordre dans sa toilette sans être sûr d'atteindre son but. Ce serait aussi ridicule qu'absurde. Et je ne suis jamais ridicule. Mais votre main était vide. Il faut parfois savoir se montrer discret, docteur. Dites-vous toujours tout à vos patients? Absolument tout. Je ne crois pas. Non plus à votre excellente sœur, n'est-ce pas? Avant de montrer ma main vide, j'avais laissé tomber dans l'autre l'objet qu'elle contenait. Vous voulez le voir? Il ouvrit tout grand sa main gauche, découvrant le petit cercle d'or posé sur sa paume. Une alliance de femme. Je la pris. Regardez à l'intérieur, ordonna Poirot. Je m'exécutai et lus l'inscription suivante, très finement gravée, avec l'amour de R, le 13 mars. Je levai les yeux vers Poirot, mais il examinait son image dans un petit miroir de poche. Il concentrait toute son attention sur ses moustaches et m'ignorait complètement. Je compris qu'il n'était pas disposé aux confidences. Chapitre 10. La femme de chambre. Nous trouvâmes Madame Ackroyd dans le hall d'entrée, en compagnie d'un petit homme sec, au menton agressif, au regard gris et pénétrant. Le parfait spécimen de l'homme de loi. Monsieur Hammond déjeune avec nous, annonça Madame Ackroyd. Monsieur Hammond, vous connaissez le major Blunt, n'est-ce pas? Et notre brave docteur Shepard, un ami très proche de ce pauvre Ackroyd, lui aussi. Et voyons. Elle s'interrompit et dévisagea Poirot d'un air perplexe. Monsieur Hercule Poirot, maman, intervint Flora. Je vous en ai parlé ce matin. Mais oui, bien sûr, ma chérie, bien sûr, dit Madame Ackroyd d'une voix incertaine. Il est là pour retrouver Ralph, c'est bien cela. Pour découvrir qui a tué Oncle Roger, maman. Oh, je t'en prie, ma chérie, pitié pour mes nerfs. Je suis littéralement effondrée ce matin. Qui eût pu s'attendre à pareille tragédie? C'est épouvantable. Je ne puis m'empêcher de croire qu'il s'agit d'un accident. Roger aimait tant manipuler ces objets bizarres, il aura fait un geste maladroit. Un silence poli accueillit cette hypothèse. Je vis Poirot se glisser aux côtés de l'avoué et lui parler à voix basse. Ils se retirèrent dans l'embrasure d'une fenêtre où je les rejoignis non sans hésitation. Peut-être suis-je indiscret. Pas du tout, protesta Poirot avec chaleur. Vous et moi sommes associés dans cette enquête, monsieur le docteur, et je serais perdu sans vous. Je désirais m'informer un peu plus auprès de ce bon monsieur Hammond. Si je comprends bien, avança prudemment l'avoué, vous agissez au nom du capitaine Ralph Patton. Pas du tout. J'agis dans l'intérêt de la justice. Miss Ackroyd m'a demandé d'enquêter sur la mort de son oncle. Monsieur Hammond tiqua. J'ai peine à croire que le capitaine Patton soit impliqué dans cette affaire de meurtre, si accablantes soient les charges qui pèsent sur lui. Le fait qu'il ait eu besoin d'argent ne suffit pas à... Il avait donc besoin d'argent, intervint vivement Poirot. L'avoué haussa les épaules. C'est un mal chronique, cher Ralph Patton, lança-t-il d'un ton sec. L'argent lui file entre les doigts, et il avait sans cesse recours à son beau-père. Et l'a-t-il fait récemment? Au cours de l'année, par exemple? Difficile à dire, monsieur Ackroyd ne m'en a pas parlé. Je comprends. Et je suppose, monsieur Hammond, que vous connaissez les dispositions testamentaires de monsieur Ackroyd. Assurément, c'est le principal objet de ma visite. Donc, sachant que j'agis au nom de Miss Ackroyd, vous ne voyez pas d'objection à me les communiquer. Elles sont très simples et je vous fais grâce du jargon professionnel. Donc, une fois payé divers petits legs, à savoir, monsieur Hammond parut quelque peu surpris par cette interruption. 1 000 livres à sa gouvernante Miss Russell, 50 livres à la cuisinière Emma Cooper, 500 livres à son secrétaire, Monsieur Geoffrey Raymond, à différents hôpitaux. Poirot leva la main. Ah, les donations charitables, aucun intérêt pour moi. Entendu. Madame Ackroyd touchera sa vie durant les intérêts d'un capital de 10 000 livres en titres. Miss Ackroyd hérite d'une somme de 20 000 livres, entièrement disponible. Le reste, y compris cette propriété et les actions de la firme Ackroyd et fils, revient à son fils adoptif, Ralph Patton. Monsieur Ackroyd était donc riche, très riche. Le capitaine Patton sera un homme extrêmement fortuné. Un silence plana. Poirot et l'avoué échangèrent un regard. Monsieur Hammond, appela Madame Ackroyd d'un ton geignard. L'avoué la rejoignit près de la cheminée, et Poirot me prit par le bras. Il m'attira tout contre la fenêtre, et forçant légèrement le ton, déclara à voix haute. Admirez ces iris, magnifiques, n'est-ce pas? Quelle pureté de ligne, c'est ravissant! Tout en parlant, il me pressa le pas et ajouta un peu plus bas. Voulez-vous vraiment m'aider, m'assister dans cette enquête? Bien sûr, m'écriai-je avidement.
Rien ne saurait me plaire davantage. Ma vie est si monotone, si vous saviez. Il ne se passe jamais rien ici, c'est étouffant. Parfait, nous voici donc associés. Tiens, je sens que le major Blunt ne va pas tarder à nous rejoindre. Il n'apprécie pas tellement la compagnie de la chère maman. Profitons de la situation. Comme il y a certains points de détail que je désire connaître, je compte sur vous pour lui poser, comment dire, mine de rien, les questions à ma place. Quelles questions, demandai-je sur la défensive. Je voudrais que vous fassiez allusion à Madame Ferrars. Et comment cela? Le plus naturellement possible. Demandez au major s'il était à Fernley, quand M. Ferrars est mort. Vous suivez ma pensée? Et pendant qu'il vous répondra, observez bien son expression, mais sans en avoir l'air. C'est compris? Il ajouta ces derniers mots en français, mais il ne put m'éclairer davantage car à cet instant précis, sa prédiction se réalisa. Avec sa brusquerie ordinaire, Blunt quitta ses interlocuteurs et s'approcha de nous. Je lui proposai de faire un tour sur la terrasse, ce qu'il accepta. Poirot ne nous suivit pas. Après quelques pas, je m'arrêtai pour examiner une rose tardive et déclarai d'un air détaché. Dire qu'il y a un jour ou deux, les choses étaient si différentes. Comme tout change vite. Je me revois en train d'arpenter cette même terrasse, mercredi dernier avec Ackroyd. Il était plein d'entrain. Il y a 3 jours de cela et maintenant, il est mort, le pauvre, tout comme Madame Ferrars. Vous l'avez connu, je crois. Mais oui, bien sûr. Blunt acquiesça d'un signe de tête. Et depuis votre arrivée, l'avez-vous rencontré? Je lui ai rendu visite avec Ackroyd mardi dernier, je crois. Une femme charmante, bien qu'un peu étrange, secrète. On ne savait jamais ce qu'elle avait en tête. J'étudiais ses yeux gris, son regard impassible. Il ne cachait rien, j'en étais sûr. Je poursuivis. Mais vous la connaissiez déjà, je suppose. Depuis mon dernier séjour, son mari et elle venaient de s'installer ici. Après un instant de silence, le major ajouta. C'est curieux, comme elle a pu changer entre-temps. Comment cela a changé? Elle semblait avoir 10 ans de plus. Je m'appliquai à paraître le plus naturel possible. Séjourniez-vous ici, quand son mari est mort? Non. Bon débarras d'ailleurs, pour ce que j'en sais. Pas très charitable de ma part, mais vrai. J'en convins et ajoutai prudemment. Ashley Ferrars n'était certes pas le modèle des maris. Une vraie brute, vous voulez dire? Non, seulement un homme pourri par l'argent. Ah, l'argent, quand on en est, ou quand on en manque, c'est toujours lui la cause du mal. Quel mal vous a-t-il fait personnellement? Je n'ai pas à me plaindre, je fais partie des heureux. Ah oui? Oui et non. Il se trouve qu'en ce moment, je suis un peu à court. J'ai fait un héritage il y a un an, et comme un idiot, je me suis laissé entraîner dans des spéculations hasardeuses. Je compatis à ses déboires et lui racontai les miens. Puis le gong annonça le déjeuner. Nous rentrâmes, et Poirot m'attira à l'écart. Eh bien? Me demanda-t-il en français. Rien de suspect chez ce garçon, j'en jurerai. Pas la moindre anomalie. Il a bien fait un héritage, il y a un an et après. Ce n'est pas défendu, cet homme est franc comme l'or et n'a rien à se reprocher. J'en mettrai ma main au feu. Très bien, dit Poirot, d'un ton conciliant. Ne vous emballez pas comme cela. On aurait juré qu'il s'adressait à un enfant capricieux. Nous entrâmes tous ensemble dans la salle à manger. Dire qu'il ne s'était pas écoulé 24 heures depuis que j'avais pris place à cette même table. Pour la dernière fois. Cela paraissait incroyable. Le repas terminé, Madame Ackroyd m'invita à m'asseoir à ses côtés sur un canapé. « Je ne peux m'empêcher de me sentir blessée, murmura-t-elle en exhibant un mouchoir, apparemment peu fait pour éponger les larmes. Oui, blessée par ce manque de confiance de la part de Roger. C'est à moi qu'il aurait dû léguer ses 20 000 livres, et non à Flora. Les intérêts d'un enfant ne sauraient être mieux placés qu'entre les mains de sa mère. Vous oubliez les liens du sang, madame. » Flora était la nièce d'Ackroyd. Si vous aviez été sa sœur, et non sa belle-sœur, le cas eût été différent. La belle éplorée se tamponna délicatement les paupières. En tant que veuve de ce pauvre Cécile, j'estime qu'on aurait pu tenir compte de mes prérogatives, larmoya-t-elle. Mais Roger a toujours été très regardant, pour ne pas dire pingre, et nous nous trouvions dans une position difficile toutes les deux. Il aurait dû faire une pension à la pauvre enfant, mais non. Il se faisait prier pour payer ses factures et lui demandait sans arrêt à quoi lui servaient ses fanfreluches. Quelle question! C'est bien d'un homme. Mais je ne sais plus où j'en suis. Nous n'avions rien qui fût vraiment à nous, pas un centime. Et c'était humiliant pour Flora, vous comprenez. Elle en souffrait.
Elle m'aime beaucoup. Oh, elle était très attachée à son oncle, bien sûr, mais n'importe quelle autre jeune fille eût souffert dans sa position. Faut bien avouer qu'en matière d'argent, Roger avait des idées singulières, jusqu'aux serviettes de toilette qu'il refusait de remplacer. Et je lui avais pourtant dit que les vieilles étaient en loques. Et quelle idée! Enchaîna Madame Ackroyd en passant brusquement du coq à l'âne, ce qui lui arrivait souvent. Quelle idée de laisser tout cet argent! 1 000 livres, vous vous rendez compte? 1 000 livres à cette femme! Quelle femme? Cette Russell! Elle a quelque chose de bizarre, je l'ai toujours dit. Mais Roger n'admettait pas qu'on la critique. Il lui trouvait beaucoup de force, de caractère, et il répétait qu'il l'admirait et la respectait. On n'entendait parler que de sa droiture et de son détachement, et de ses qualités morales. À mon avis, tout cela cachait bien quelque chose, et elle ne songeait qu'à épouser Roger. Mais j'y ai mis le haut là, et elle m'a toujours détesté, forcément. Moi, je n'étais pas dupe. Je commençais à me demander si j'avais la moindre chance d'échapper à ce flot de paroles, quand M. Hammond m'en offrit une en venant prendre congé. Je saisis la balle au bond. Et à propos de l'enquête, demandai-je en me levant, où préférez-vous qu'elle ait lieu, ici ou aux Trois Marcassins? Madame Ackroyd me dévisagea bouche bée. L'enquête? Répéta-t-elle figée par la consternation. Il ne sera sûrement pas nécessaire d'en arriver là. Monsieur Hammond tout sauta et laissa tomber la conique. Inévitable vu les circonstances. Mais le docteur Shepard doit pouvoir s'arranger. Je crains que mes pouvoirs n'aillent jusque-là, rétorquai-je avec sécheresse. Et si la mort de Roger n'est qu'un accident? Cette fois, je me montrai brutal. Il a été assassiné, Madame Ackroyd. Elle laissa échapper un petit cri. L'hypothèse de l'accident est absolument indéfendable. Madame Ackroyd me jeta un regard de détresse, où je ne crus voir que la crainte stupide des désagréments. Cela ne me rendit pas indulgent. Mais s'il y a une enquête, reprit-elle, je n'aurai pas à répondre à des questions et tout ça. Je ne sais pas si cela sera nécessaire. J'imagine que Monsieur Raymond pourra s'en charger pour vous. Il connaît très bien les circonstances du meurtre et doit être en mesure d'identifier le corps. L'avoué m'approuva d'un signe de tête et déclara. Je ne crois pas qu'il y ait eu de vous inquiéter, madame. Tous les désagréments vous seront épargnés. Quant à l'argent, avez-vous tout ce qu'il vous faut pour le moment? Et comme elle l'interrogeait du regard, il ajouta. En espèces, je veux dire, ou en liquide, si vous préférez. Sinon, je peux m'arranger pour faire le nécessaire. Cela devrait aller, intervint Raymond, qui se trouvait à la portée de sa voix. Monsieur Ackroyd a tiré un chèque de 100 livres hier. 100 livres? Oui, pour payer les gages des domestiques et régler quelques factures. Comme il devait le faire aujourd'hui, la somme est restée intacte. Et où est cet argent? Dans son bureau? Non, il le gardait toujours dans sa chambre, dans une vieille boîte à faux col, pour être précis. Drôle d'idée, non? Mieux vaudrait nous assurer qu'il y est encore, estima l'avoué. Allons-y, avant que je ne parte. Mais certainement, approuva le secrétaire, je vous précède. Oh, j'oubliais, la porte est fermée à clé. Envoyé aux nouvelles, Parker finit par découvrir que l'inspecteur Raglan s'était rendu à l'office pour un supplément d'enquête. Quelques minutes plus tard, l'inspecteur nous rejoignit dans le hall, clé en main, et nous ouvrit la porte. Nous nous engageâmes dans le couloir, puis dans le petit escalier, pour trouver la porte de la chambre d'Ackroyd grande ouverte. Il faisait sombre à l'intérieur de la pièce. Les rideaux étaient tirés et le lit dans le même état que la veille, préparé pour la nuit. L'inspecteur ouvrit les rideaux, laissant pénétrer le soleil. Et Geoffrey Raymond se dirigea vers un bureau en bois de rose, dont il désigna le tiroir supérieur. Et il gardait son argent là, sans prendre la peine de fermer le tiroir à clé, observa l'inspecteur. Incroyable! Une légère rougeur monta aux joues du secrétaire. Monsieur Ackroyd avait la plus totale confiance en son personnel, s'écria-t-il avec indignation. Bien sûr, se hâta de répondre l'inspecteur, cela va de soi. Raymond ouvrit le tiroir. Il en sortit une boîte en cuir de forme ronde, qu'il ouvrit à son tour. De là, il tira un portefeuille rebondi. Voici l'argent, dit-il en prélevant une épaisse liasse de billets. Je sais que vous trouverez la somme intacte, car Monsieur Ackroyd l'a rangée dans cette boîte en ma présence hier soir, en s'habillant pour le dîner. Naturellement, personne n'y a touché depuis. Monsieur Hammond lui prit la liasse des mains, compta les billets et releva vivement la tête. 100 livres, dites-vous? Mais il n'y en a que 60. Raymond ouvrit des yeux ronds. Impossible, s'exclama-t-il, en arrachant les billets des mains de l'avoué pour les compter à haute voix. Monsieur Hammond ne s'était pas trompé. Il n'y avait que 60 livres. Mais je ne comprends pas.
s'écria le secrétaire abasourdi. Alors Poirot se décida à intervenir. Vous avez bien vu M. Ackroyd ranger cet argent hier soir pendant qu'il s'habillait. Vous êtes certain qu'il n'avait pas déjà disposé d'une partie de cette somme? Certain. Il n'avait rien dépensé du tout. Il a même dit « Je ne veux pas descendre avec 100 livres en poche. C'est trop encombrant. » Dans ce cas, c'est tout simple, commenta Poirot. Ou bien il a disposé de ses 40 livres hier soir, ou bien on les lui a volés. On ne saurait mieux dire, approuva l'inspecteur, qui se tourna vers Madame Ackroyd. Parmi les domestiques, qui a pu entrer dans cette pièce hier soir? La seconde femme de chambre, pour préparer le lit. Qui est-ce? Que savez-vous d'elle? Il n'y a pas très longtemps qu'elle est ici, en fait, mais c'est une brave fille, de la campagne, comme tant d'autres. Il faut tirer cela au clair, déclara l'inspecteur. Si M. Ackroyd a disposé de cet argent lui-même, l'usage qu'il en a fait a peut-être un rapport avec le crime. Selon vous, rien à reprocher aux autres domestiques? Pas à ma connaissance. Vous n'avez jamais constaté de disparition? Non. Pas de départ ou quoi que ce soit d'inhabituel? Si, la femme de chambre qui sert à table s'en va. Quand? Elle a donné son congé hier. À vous? Oh non, je n'ai rien à voir avec le personnel. C'est Miss Russell qui s'occupe des affaires domestiques. L'inspecteur s'absorba dans une nouvelle réflexion. Puis il hocha la tête et déclara. Je crois que je ferais bien d'avoir un entretien avec Miss Russell. J'en profiterai pour voir aussi cette Elsie Dale. Poirot et moi le suivîmes dans le bureau de la gouvernante, où Miss Russell nous reçut avec son sang-froid coutumier. Elsie Dale était à Fernley depuis 5 mois, nous apprit-elle. Une brave fille, travailleuse, était plus comme il faut, avec de bonnes références. En somme, la dernière personne au monde à soupçonner de dérober le bien d'autrui. Et l'autre femme de chambre? Celle qui sert à table. Une fille remarquable, elle aussi, pondérée, distinguée et irréprochable dans son travail. Alors pourquoi part-elle? Miss Russell pinça les lèvres. Ça, je n'y suis pour rien, mais si j'ai bien compris, M. Ackroyd l'a accablée de reproches hier après-midi. C'est elle qui fait le ménage dans le cabinet de travail et je crois qu'elle a dérangé des papiers posés sur le bureau. M. Ackroyd était furieux et elle lui a donné son congé. En tout cas, c'est ce que j'ai déduit de ses explications. Mais peut-être préfériez-vous lui parler? L'inspecteur acquiesça et Miss Russell fit appeler Ursula Bourne. J'avais déjà remarqué la femme de chambre qui nous servait à table. Une grande fille à l'opulente chevelure, brune tirée sur la nuque, avec des yeux gris, au regard tranquille. Elle entra et resta debout devant nous, très droite, et fixant sur nous son impassible regard gris. Vous êtes Ursula Bourne? S'enquit l'inspecteur Raglan. Oui, monsieur. J'apprends que vous partez. Oui, monsieur. Et pour quelle raison? J'ai dérangé des papiers sur le bureau de monsieur Ackroyd. Il s'est emporté et m'a dit que je ferais mieux de m'en aller, et le plus tôt possible. Hier soir, êtes-vous entré dans la chambre de monsieur Ackroyd pour ranger ou pour toute autre chose? Non, monsieur, c'est le travail d'Elsie. Je ne suis jamais allé dans cette partie de la maison. Je dois vous informer, mon petit, qu'une importante somme d'argent a disparu de la chambre de monsieur Ackroyd. Cette fois, la jeune fille sortit de son indifférence. Je vis le rouge lui monter aux joues. J'ignorais jusqu'à l'existence de cet argent. Si vous croyez que je l'ai pris et que M. Ackroyd m'a renvoyé à cause de cela, vous vous trompez. Je ne vous accuse pas de l'avoir fait, mon petit. Ne soyez pas si susceptible. La jeune fille le toisa d'un regard glacial. Vous pouvez fouiller mes affaires, lança-t-elle avec dédain. Vous n'y trouverez rien. Poirot se hâta d'intervenir. C'est bien hier que M. Ackroyd vous a donné congé. Ou que vous avez pris congé de vous-même, n'est-ce pas? La femme de chambre hocha la tête. Combien de temps a duré votre entrevue? Notre entrevue? Avec M. Ackroyd dans son bureau. Je ne sais pas. 20 minutes, une demi-heure? Quelque chose comme ça. Pas plus? Pas plus d'une demi-heure, en tout cas. Merci, mademoiselle. J'observais Poirot avec curiosité. À petits gestes méticuleux, il redisposait, en les alignant, quelques bibelots sur la table. Son regard brillait. Ce sera tout, dit l'inspecteur. Ursula Bourne s'éclipsa et il se tourna vers Miss Russell. Depuis combien de temps travaille-t-elle ici? Pourrais-je voir ses certificats? Ignorant la première question, Miss Russell s'approcha d'un bureau, ouvrit l'un des tiroirs et en tira une liasse de lettres attachées par un trombone. Elle en choisit une et l'attendit à l'inspecteur. Tout cela me semble parfait, observa-t-il. Madame Richard Folliot, Marby Grange, Marby, qui est cette personne? Une dame très distinguée, grande bourgeoisie terrienne,
répondit brièvement Miss Russell. L'inspecteur lui rendit la lettre. Bien, voyons l'autre maintenant, cette Elsie Dale. Elsie était une belle fille bien plantée, au visage agréable, bien qu'un peu stupide. Elle répondit à nos questions sans se faire prier et s'émut beaucoup de la disparition de l'argent. Je ne vois pas ce qu'on pourrait lui reprocher, commenta l'inspecteur, après l'avoir congédié. Et sur Parker, quelle est votre opinion? Miss Russell pinça les lèvres sans répondre. Je flaire quelque chose de louche chez cet homme, reprit l'inspecteur d'un ton pensif. Le problème, c'est que je ne vois pas quand il aurait pu commettre le crime. Juste après le dîner, il a été accaparé par son service. Et il a un alibi solide pour le reste de la soirée. Je le sais. J'ai vérifié avec un soin tout particulier. Eh bien, Miss Russell, je vous remercie. Nous en resterons là pour l'instant. Il est un peu plus probable que M. Ackroyd ait lui-même disposé de cet argent. La gouvernante nous gratifia d'un bon après-midi, des plus secs, et nous nous retirâmes. Je quittai la maison en compagnie de Paul. Je me demande ce que pouvaient bien être ces papiers pour qu'Ackroyd se soit mis dans une telle colère, dis-je après un instant. Ne pourrait-il pas nous fournir un indice? D'après le secrétaire, il n'y avait aucun papier important sur le bureau, observa tranquillement Paul. Sans doute, mais... Mais vous trouvez bizarre qu'Ackroyd soit monté sur ses grands chevaux pour un détail aussi insignifiant? Oui, en quelque sorte. Mais s'agissait-il vraiment d'un détail insignifiant? Il est vrai que nous ne savons rien de ces papiers, dus-je admettre. Mais Raymond n'a-t-il pas... Oublions un instant, monsieur Raymond. Que pensez-vous de cette fille? Laquelle? Celle qui servait à table? Oui, la seconde femme de chambre, Ursula Boone. Elle m'a semblé être une fille très bien, hasardai-je en appuyant sur les deux derniers mots. Poirot, lui, accentua le premier verbe. « Oui, dit-il en reprenant mes paroles, elle vous a semblé être une fille très bien. » Puis, après un instant de silence, il tira quelque chose de sa poche et me le tendit. « Tenez, mon ami, je voulais vous montrer ce papier. » Le papier en question n'était autre que la liste établie par l'inspecteur et que ce dernier lui avait remise le matin même. Du bout du doigt, il me désigna une petite croix au crayon, en face d'un nom, celui d'Ursula Bourne. « Vous ne l'avez peut-être pas remarqué sur le moment, mon bon ami. Mais il y a une personne sur cette liste dont l'alibi n'a pas été confirmé, Ursula Bourne. Vous ne supposez pas... »« Docteur Shepard, je dois tout supposer. Ursula Bourne peut très bien avoir tué M. Ackroyd, mais j'avoue ne pas comprendre ce qui aurait pu l'y pousser. Et vous ?» Il m'observait avec une attention aiguë, si aiguë que j'en fus mal à l'aise. « Et vous ?» répéta-t-il. « Moi non plus, déclarai-je avec assurance. » Son attention se relâcha, il fronça le sourcil et murmura comme pour lui-même. Le maître chanteur était un homme, ce qui la met hors de cause, donc je tout sautai. Sur ce point, commençai-je d'un ton dubitatif. Il pivota sur ses talons et me regarda bien en face. « Quoi donc, que voulez-vous dire ?»« Rien, rien, si ce n'est que, pour être exact, Madame Ferrars a fait allusion à une personne sans plus. » Pas précisé qu'il s'agissait d'un homme. C'est Ackroyd et moi qui l'avons supposé. Cela nous a paru évident. Poirot ne semblait pas m'entendre, il s'était remis à marmonner entre ses dents. Mais alors, c'est possible après tout, oui, bien sûr que c'est possible. Mais alors, ah, il faut que je remette mes idées en ordre. Oui, de l'ordre et de la méthode. Je n'en ai jamais eu autant besoin. Tout doit concorder, chaque élément trouver sa place, sinon, je suis sur une fausse piste. Il s'interrompit et une fois de plus se retourna vers moi. « Où se trouve Marby ?»« De l'autre côté de Cranchester. »« À combien d'ici ?»« Une vingtaine de kilomètres. »« Où serait-il possible d'y aller, demain par exemple ?»« Demain ?»« Voyons, nous serons dimanche, oui. »« Je devrais pouvoir m'arranger. »« Mais que voulez-vous que j'aille faire ?»« Rendre visite à Madame Folliot et recueillir le plus de renseignements possible sur Ursula Bourne. »« Très bien. » Mais j'avoue que l'idée ne m'enchante guère. Ce n'est pas le moment de faire des difficultés, la vie d'un homme est en jeu. Pauvre Ralph, soupirai-je. Vous le croyez innocent malgré tout? Poirot me dévisagea très grave. Vous voulez savoir la vérité? Bien entendu. Alors vous la saurez, mon ami. Toutes les pistes convergent sur lui. Quoi? Eh oui, ce stupide inspecteur, car il est stupide, a rassemblé des indices accablants pour lui. Moi, je cherche la vérité. Et elle me ramène toujours à Ralph Patton. Mobile, occasion, moyen employé, tout le désigne. Mais je vérifierai toutes les hypothèses, absolument toutes. Je l'ai promis à Miss Flora. Et elle semblait vraiment très sûre de ce qu'elle avançait, cette enfant. Oui, vraiment très sûre.
Chapitre 11. Poirot en visite. Ce ne fut pas sans une certaine nervosité que je sonnai à la porte de Marby Grange le lendemain après-midi. J'aurais bien voulu savoir ce que Poirot espérait découvrir et pourquoi il m'avait chargé de cette démarche. Était-ce pour rester discrètement à l'écart, comme lorsqu'il m'avait prié d'interroger le major Blunt? Mais ici, le cas était différent et ce scrupule ne me paraissait pas justifié. L'entrée d'une sémillante femme de chambre mit fin à mes réflexions. J'appris que Madame Folliot était chez elle. Introduit dans un salon spacieux pour y attendre la maîtresse de maison, je promenais autour de moi un regard curieux. La grande pièce était assez nue, les tentures et les sièges plutôt râpés, ça et là, quelques très belles porcelaines et des gravures de maître. Aucun doute, j'étais bien chez une grande dame. Je m'arrachai à l'examen d'un Bortoluzzi au moment où Madame Folliot fit son entrée. C'était une grande femme à la chevelure brune, un peu en désordre et un sourire engageant. « Docteur Shepard ?» énonça-t-elle avec un rien d'hésitation. « C'est bien mon nom, madame. Je vous prie d'excuser mon intrusion, mais je désirais des renseignements sur une femme de chambre qui a été à votre service, Ursula Bourne. » Ce nom produisit un effet instantané. Le sourire de madame Folliot s'évanouit, et sa cordialité de même. Elle parut soudain très mal à l'aise. « Ursula Bourne ?» répéta-t-elle d'une voix incertaine. « Oui, ce nom ne vous dit sans doute plus rien. Oh, si, je me souviens très bien d'elle. Elle vous a quitté il y a un an, si j'ai compris. Oui, c'est exact. Vous a-t-elle donné satisfaction? Combien de temps a-t-elle resté à votre service, au fait? Un an ou deux, je ne me rappelle pas au juste. Elle est extrêmement capable et je suis certaine qu'elle vous donnera toute satisfaction, à vous aussi. » Ainsi, elle quitte Fernley. Je n'étais pas au courant. Pouvez-vous m'apprendre quelque chose de plus à son sujet? Quoi, par exemple? D'où elle vient? De quel milieu? Ce genre de détails. La froideur de Madame Folliot s'accentua sensiblement. Je n'en ai pas la moindre idée. Où travaillait-elle avant d'entrer à votre service? Je crains de l'avoir oubliée. Sous la nervosité de mon hôtesse, perçait une note de colère. Elle redressa la tête d'un geste qui me parut vaguement familier. Toutes ces questions sont-elles vraiment indispensables? Un peu étonné, je me récriai poliment. Mais pas du tout, et je n'avais pas l'intention de vous mettre dans l'embarras. Vous m'envoyez navré. Madame Folliot se radoucit, et je vis reparaître sa gêne. Mais vos questions ne m'embarrassent pas, je vous assure, pas le moins du monde. Et d'ailleurs, en quoi le pourraient-elles? Elles m'ont simplement paru un peu surprenante. Oui, c'est le mot, surprenante. L'un des avantages de la pratique médicale, c'est que vous savez presque toujours quand les gens vous mentent. Rien qu'à son attitude, j'aurais pu deviner que Madame Folliot répugnait à me répondre, et même énormément. Sa confusion et son désarroi parlaient d'eux-mêmes. Elle avait quelque chose à cacher. Mais quoi? Mystère. Il était clair pour moi qu'elle n'avait pas l'habitude des faux fuyants, et comme tous les novices en la matière, elle était aussi maladroite que mal à l'aise. Un enfant l'aurait percé un jour. Et ce qui était tout aussi clair, c'est qu'elle n'avait pas l'intention de m'en dire plus. Et ce n'était certainement pas elle qui m'aiderait à éclaircir le mystère entourant Ursula Bourne, quel qu'il fût. Frustré dans mes espoirs, je m'excusai une fois de plus de l'avoir importunée. Pris mon chapeau et me retirai. J'allai voir deux patients à domicile et rentrai chez moi vers 6 heures. La cérémonie du thé venait de s'achever. À en juger par l'état de la table où trônait Caroline, je lus sur son visage une exaltation contenue, que je ne connaissais que trop bien. Il y avait des nouvelles dans l'air. Venait-elle de les répandre ou au contraire d'en recevoir? C'est ce qu'il me restait à apprendre. Je n'eus que le temps de me laisser tomber dans mon fauteuil et d'allonger les jambes en direction du bon feu qui flambait dans la cheminée. Caroline passa à l'attaque. J'ai passé un après-midi passionnant. Ah oui, Miss Gannett est venue prendre le thé? Miss Gannett est un des piliers de notre service de renseignement. Cherche encore, jubila Caroline. J'offris plusieurs autres noms, passant lentement en revue tous les informateurs de Caroline. À chaque tentative, ma sœur secouait la tête d'un air triomphant. Finalement, ce fut elle qui m'annonça. « Monsieur Poirot est venu me voir. Eh bien, que penses-tu de cela ?» J'en pensais quantité de choses, mais je me gardais bien d'en faire part à Caroline. « Que voulait-il ? » « Me voir, bien sûr. Il m'a dit que, puisqu'il connaissait si bien mon frère, il se croyait autorisé à se présenter à sa charmante sœur. Enfin, à ta charmante sœur, je veux dire. » « De quoi a-t-il parlé ?» « Il m'a raconté des tas de choses sur lui et sur ses enquêtes. Tu vois qui est le prince Paul de Maurétanie?
celui qui vient d'épouser une danseuse. Oui, et alors? J'ai lu un article très intrigant au sujet de cette femme l'autre jour, dans les potins mondains. On laissait entendre qu'elle serait en réalité une grande duchesse russe, une des filles du tsar, qui aurait réussi à échapper aux bolcheviks. Il paraît que M. Poirot a résolu une grande affaire de meurtre dans laquelle ils ont failli être impliqués, elle et son mari. Le prince Paul lui en a été on ne peut plus reconnaissant. Lui a-t-il offert une épingle de cravate ornée d'une émeraude grosse comme un œuf, ironisai-je. Il n'en a pas parlé. Pourquoi? Pour rien, je croyais que c'était la coutume. En tout cas, c'est ainsi que cela se passe dans les romans policiers. La chambre de l'insurpassable détective est toujours jonchée de rubis, de perles et d'émeraudes, témoignage de la gratitude royale de ses clients. En tout cas, dit ma sœur d'un ton satisfait, c'est très intéressant d'entendre parler de ces choses par ceux qui les ont vues de près. Ce l'était certainement, du moins pour Caroline, et je ne pus m'empêcher d'admirer la subtilité de M. Hercule Poirot. Il avait su choisir entre toute l'histoire la plus propre à séduire une vieille demoiselle de village. T'a-t-il révélé si la danseuse était vraiment une grande duchesse? Il n'en avait pas le droit, cela va de soi, dit Caroline pleine d'importance. Dans quelle mesure Poirot avait-il altéré la vérité en bavardant avec ma sœur? Pas du tout, sans doute. Il avait dû procéder par mimique et haussement d'épaule, et suggérer sans se compromettre. Et j'imagine qu'après ça, tu étais prête à lui manger dans la main, m'écriai-je. Ne sois pas si grossier, James. Je me demande où tu vas chercher ces tournures triviales. Probablement chez mes malades, mon seul lien avec le monde extérieur. Malheureusement, ma clientèle ne se compose pas d'altesses royales ni de fascinants émigrés russes. Caroline remonta ses lunettes et me dévisagea. Tu m'as l'air bien acariâtre, James. Ce doit être ton foie. Tu me feras plaisir de prendre une pilule ce soir. À me voir vivre chez moi, personne ne se douterait que je suis médecin. C'est Caroline qui prescrit les traitements de la famille, aussi bien les miens que les siens. Au diable, mon foie, maugréai-je. Avez-vous parlé du meurtre? Enfin, James, naturellement, de quoi pourrait-on parler dans tout le pays en ce moment, sinon de cela? J'ai pu préciser certains détails à M. Poirot, qui m'en a été très reconnaissant. Il m'a dit que j'avais un véritable flair de détective et un sens inné de la psychologie humaine. Caroline se pourléchait comme une chatte devant un bol de crème. Pour un peu, elle aurait ronronné. Il m'a beaucoup parlé des petites cellules grises du cerveau. Les siennes sont de toute première qualité, paraît-il. Mais comment donc, ricanai-je, Monsieur Hercule Modeste Poirot, tu ne trouves pas que cela lui irait bien? Il devrait faire refaire ses cartes de visite. Je n'aime pas du tout ce ton, James, tu parles comme un Américain. Monsieur Poirot pense qu'il faut à tout prix retrouver Ralph et lui conseiller de se montrer. D'après lui, son absence produisait une impression désastreuse à l'enquête. Et qu'as-tu répondu à cela? Que c'était aussi mon avis, dit Caroline d'un ton suffisant. Et je lui ai répété tout ce qu'on raconte déjà sur Ralph. Caroline, m'informai-je avidement, as-tu rapporté à M. Poirot la conversation que tu as surprise dans le bois l'autre jour? Mais oui, fit béatement Caroline. Je me levai et me mis à arpenter la pièce. J'espère que tu te rends compte de ce que tu as fait. Tu as passé la corde au cou de Ralph, ni plus ni moins. Pas du tout, rétorqua ma sœur, imperturbable. Et je m'étonne que tu n'en aies pas parlé toi-même. Je m'en suis bien gardée, j'aime beaucoup ce garçon. Moi aussi. C'est pourquoi je trouve ta remarque stupide. Je ne crois pas que Ralph soit coupable. Donc la vérité ne peut lui nuire, et nous devons aider M. Poirot du mieux que nous pouvons. Réfléchis. Il est on ne peut plus probable que Ralph soit sorti avec cette fille le soir du meurtre. Si c'est le cas, c'est un excellent alibi. Mais s'il a un si bon alibi, pourquoi ne pas venir le dire? Sans doute pour ne pas causer d'ennui à la jeune fille, observa Caroline d'un ton sagace. Mais si M. Poirot la retrouve et lui fait comprendre où est son devoir, elle viendra de son propre chef disculper Ralph. Quelle imagination! Un vrai conte de fées. Tu lis trop de mauvais romans, Caroline, je l'ai toujours dit. Sur ce, je m'affalai à nouveau dans mon fauteuil. Et Poirot t'a-t-il posé d'autres questions? Demandai-je. Seulement sur les patients que tu as vus ce matin. Les patients? Répétai-je incrédule. Oui, ceux de ta consultation. Ils voulaient savoir combien ils étaient et leur nom aussi. Dois-je comprendre que tu as pu leur enseigner? Caroline me surprendra toujours. Et pourquoi pas, triompha-t-elle. De cette fenêtre, je vois très bien le chemin qui mène à ton cabinet. Et j'ai une excellente mémoire, James, bien meilleure que la tienne, permets-moi de te le dire. Je n'en doute pas, murmurai-je distraitement. Ma sœur enchaîna en comptant sur ses doigts.
Il y a eu d'abord la vieille Madame Bennett, puis ce garçon de ferme qui s'est fait mal à la main, Dolly Grace qui s'est planté une aiguille dans le doigt, et ce garçon de cabine américain. Ce qui nous fait, voyons, quatre. Et aussi le vieux George Evans, avec son ulcère. Et pour finir, Caroline observa un silence lourd de sens. Eh bien, le moment triomphal était arrivé, et ma sœur ne manqua pas son effet, en prenant grand soin de faire sonner les L en annonçant d'un ton théâtral. Miss Russell, sur quoi elle se renversa en arrière et me lança un regard significatif. Et quand ma sœur vous regarde d'un air significatif, il est difficile de faire celui qui ne comprend pas. C'est pourtant ce que je fis. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Pourquoi Miss Russell ne serait-elle pas venue me voir? Elle a mal au genou. Mal au genou? Répéta Caroline. À d'autres. Elle n'a pas plus mal au genou que toi ou moi. C'est autre chose qu'elle voulait. Ah oui? Et quoi? Là, ma sœur dut reconnaître son ignorance. Mais sois tranquille, ajouta-t-elle. C'est ce qu'il cherchait à savoir, Monsieur Poirot, je veux dire. Il y a quelque chose de louche chez cette femme. Et il s'en est aperçu. Tiens, c'est exactement ce que me disait Madame Ackroyd hier soir, qu'il y avait quelque chose de louche chez Miss Russell. Caroline se rembrunit. Ah, Madame Ackroyd, en voilà une qui... Qui quoi? Ma sœur se refusa à tout commentaire. Elle se contenta de hocher plusieurs fois la tête, roula son tricot et monta dans sa chambre pour revêtir sa blouse de soie mauve, sur laquelle elle porte un médaillon en or. C'est ce qu'elle appelle s'habiller pour dîner. Je m'attardai en bas à contempler les flammes, tout en réfléchissant aux paroles de ma sœur. Poirot était-il réellement venu pour se renseigner sur Miss Russell? Ou l'esprit alambiqué de ma sœur avait-il tout interprété, selon ses vues personnelles? Rien dans l'attitude de Miss Russell ne m'avait paru suspect. Sinon, je me rappelais son insistance à ramener la conversation sur les drogués, le poison et les empoisonneurs. Mais cela ne voulait rien dire. Ackroyd n'avait pas été empoisonné tout de même. C'était curieux. De l'étage me parvint la voix de Caroline plutôt acide, me sembla-t-il. « James, tu vas être en retard pour le dîner. » Je mis du charbon sur la grille et montai docilement me préparer. Chaque chose a son prix, et rien ne vaut la paix chez soi. Chapitre 12. Tour de table. Une confrontation officielle eut lieu le lundi. Je n'en rapporterai pas tous les détails, ce qui donnerait lieu à des répétitions fastidieuses. Avec l'accord de la police, nous nous arrangeâmes pour éviter toute publicité. Ma déposition porta sur la cause et l'heure probable de la mort d'Ackroyd. Le coroner nota l'absence de Ralph Patton, mais évita de s'apesantir sur le sujet. Après quoi, Poirot et moi échangeâmes quelques mots avec l'inspecteur Raglan. Ce dernier se montra très soucieux. « Cela ne me dit rien qui vaille, Monsieur Poirot, et j'essaye de juger ce cas sans parti pris. Je suis du pays et j'ai rencontré souvent le capitaine Patton à Cranchester. Je ne tiens pas à le déclarer coupable, mais que voulez-vous? Tout l'accable. S'il est innocent, pourquoi ne se manifeste-t-il pas? Nous possédons des charges contre lui, mais il pourrait très bien se disculper. Alors pourquoi ne le fait-il pas? » J'ignorais encore à ce moment-là tout ce qu'impliquaient les paroles de l'inspecteur. Le signalement de Ralph avait été diffusé dans tous les ports et toutes les gares du royaume. La police était sur le pied de guerre. On surveillait l'appartement de Ralph et tous les endroits où il avait l'habitude de se montrer. Avec un tel déploiement de force, il semblait impossible que Ralph puisse échapper. Il n'avait pas de bagages et vraisemblablement pas d'argent non plus. « Je n'ai pu trouver personne qui l'ait vu à la gare ce soir-là, reprit l'inspecteur. Et pourtant, il est très connu par ici. On pouvait s'attendre à ce que quelqu'un l'ait remarqué. Aucune nouvelle de Liverpool non plus. Vous pensez qu'il est allé à Liverpool ? Demanda Poirot. Ce n'est pas impossible, cet appel téléphonique de la gare juste avant le départ de l'express de Liverpool. C'est peut-être une piste. Ou une fausse piste, dans l'intention de vous égarer, précisément. Ce qui expliquerait ce coup de téléphone. C'est une idée, s'exclama vivement l'inspecteur. Croyez-vous réellement que ce soit l'explication de ce message ? Je ne sais pas, mon ami, dit gravement Poirot. Mais laissez-moi vous dire ceci. À mon avis, quand nous aurons l'explication de ce coup de téléphone, nous aurons aussi celle du meurtre. Je le regardais avec curiosité. Je me souviens de vous l'avoir déjà entendu dire. Il fit un signe affirmatif et déclara d'un ton sérieux. J'en reviens toujours à ça. Cela me semble tout à fait arbitraire, observai-je. Je n'irai pas jusque-là, rétorqua l'inspecteur, mais je dois avouer que M. Poirot attache un peu trop d'importance à ce détail. Nous avons de meilleurs indices, les empreintes digitales par exemple.
celle qu'on a trouvée sur le poignard. Comme cela lui arrivait souvent lorsqu'il s'animait, Poirot devint subitement très continental. « Monsieur l'inspecteur, s'écria-t-il dans un anglais hésitant, entrecoupé de français, prenez garde au chemin aveugle. Non, comment dit-on, la petite rue qui ne débouche nulle part. » L'inspecteur Raglan ouvrit de grands yeux, mais je compris plus vite. « Une impasse, c'est cela ?»« Voilà, l'impasse qui ne mène nulle part, et les empreintes, c'est la même chose. Elles ne vous mèneront nulle part. » « Je vois mal comment ce serait possible, » répliqua l'officier de police. « Insinuez-vous qu'on les ait falsifiés ? J'ai rencontré ce genre de cas dans les livres, mais jamais dans la réalité. Et d'ailleurs, vraies ou fausses, elles doivent mener quelque part. » Poirot se contenta de hausser les épaules et d'écarter les bras en un geste d'impuissance. Mais l'inspecteur nous soumit différents agrandissements d'empreintes et se lança dans des explications savantes sur les boucles et les volutes. Alors, dit-il enfin, vexé par l'indifférence manifeste de Poirot, vous admettrez que ces empreintes ont été laissées par quelqu'un qui se trouvait dans la maison ce soir-là. Bien entendu, fit Poirot en hochant la tête. J'ai donc relevé les empreintes de tous les habitants de la maison, absolument toutes, vous m'entendez, de la vieille dame à la vieille fille de cuisine. Madame Ackroyd n'eut sans doute pas apprécié d'être qualifiée de vieille dame. Elle devait consacrer des sommes rondelettes aux soins de beauté. « Absolument toutes, répéta l'inspecteur d'un ton suffisant. « Y compris les miennes, dis-je avec sécheresse. « En effet, et aucune d'elles ne correspondait à celle du poignard, « ce qui nous laisse deux possibilités. « Le coupable est soit Ralph Patton, soit le mystérieux inconnu dont le docteur nous a parlé. « Quand nous tiendrons ces deux-là, nous aurons perdu un temps précieux, coupa Hercule Poirot. « Je ne vous suis pas très bien, monsieur Poirot. « Vous avez relevé les empreintes de tous les habitants de la maison, dites-vous. « Êtes-vous certain que cette déclaration soit conforme à la vérité, monsieur l'inspecteur ?»« Certain. Vous n'avez oublié personne. »« Personne. Ni vivant, ni mort. » L'inspecteur demeura sans voix, devant ce qu'il prit pour une allusion d'ordre religieux. Puis, lentement, la lumière se fit dans son esprit. « Vous pensez aux morts, monsieur l'inspecteur ?» Il fallait toujours une bonne minute à Raglan pour comprendre. « Je suggérais, reprit calmement, Poirot, que les empreintes retrouvées sur le manche du poignard sont celles de M. Ackroyd lui-même, ce qui sera facile à vérifier, puisque le corps est toujours là. Mais pourquoi? À quoi cela rimerait-il? Vous n'êtes pas en train d'insinuer qu'il s'agit d'un suicide, M. Poirot? Oh que non, j'avance l'hypothèse que le meurtrier portait des gants ou une étoffe quelconque autour de la main. Après avoir porté le coup, il a pris la main de sa victime et l'a enfermée sur le manche du poignard. Et pourquoi? Une fois de plus, Poirot haussa les épaules. « Pour rendre le problème encore plus problématique. »« Très bien, je vérifierai. »« Mais comment cette idée vous est-elle venue ?»« Grâce à vous, lorsque vous avez eu la gentillesse de me montrer l'arme et d'attirer mon attention sur les empreintes. »« Je ne connais pas grand-chose aux boucles ni aux volutes, je l'avoue franchement. »« Mais la position des empreintes m'a semblé un peu bizarre. »« Ce n'est pas ainsi que j'aurais tenu l'arme pour frapper. » Mais cette position s'explique si le meurtrier a dû ramener la main droite de sa victime par-dessus son épaule. L'inspecteur Raglan dévisagea le petit Belge d'un air parfaitement détaché. Poirot chassa d'une pichenette un grain de poussière sur sa manche. « Eh bien, c'est une idée, » concéda l'inspecteur d'un ton qu'il voulait paternel et indulgent. « Je vais vérifier tout de suite, mais ne soyez pas trop déçus si ça ne donne rien. » Poirot le suivit des yeux, puis se tourna vers moi le regard pétillant. « La prochaine fois, » observa-t-il, il me faudra ménager davantage son amour-propre. Et maintenant que nous sommes réduits à nos propres moyens, que diriez-vous d'une bonne réunion de famille, mon bon ami? La petite réunion, comme disait Poirot, eut lieu une demi-heure plus tard, environ, dans la salle à manger de Ferney. Nous nous assîmes autour de la table, comme pour un sinistre conseil de famille, Poirot occupant la place du président. Les domestiques n'y assistaient pas. Nous étions donc six en tout. Madame Ackroyd, Flora, le major Blunt, le jeune Raymond, Poirot et moi. Quand tout le monde fut installé, Poirot se leva et s'inclina cérémonieusement. « Mesdames, messieurs, je vous ai réunis dans une intention bien précise, » commenta-t-il. Puis, après un court silence, « Mais d'abord, j'ai une requête toute spéciale à vous adresser, mademoiselle. »« À moi ?» s'écria Flora. « Mademoiselle, vous êtes fiancée au capitaine Ralph Patton, et si la confiance en quelqu'un, c'est en vous. » Avec la plus grande insistance, je vous supplie, si vous savez où il se trouve, de le persuader de se montrer. » Flora s'apprêtait à répondre, mais Poirot l'arrêta.
Une petite minute, ne dites rien avant d'avoir bien réfléchi, mademoiselle. La situation du capitaine devient chaque jour plus dangereuse. S'il s'était manifesté tout de suite, il aurait sans doute pu se justifier, si lourdes soient les charges relevées contre lui. Mais ce silence, cette fuite, comment les expliquer sinon par sa culpabilité? Mademoiselle, si vraiment vous croyez à son innocence, persuadez-le de venir se présenter à la justice avant qu'il ne soit trop tard. Flora était devenue toute pâle. Trop tard? Répéta-t-elle d'une voix presque inaudible. Poirot se pencha vers elle et plongea son regard dans le sien. Écoutez, mademoiselle, reprit-il doucement, c'est le vieux papa Poirot qui vous parle. Un vieux papa plein de sagesse et d'expérience. Je ne cherche pas à vous tendre un piège. Ne voulez-vous pas me faire confiance et me dire où se cache Ralph Patton? La jeune fille se leva et lui fit face. Monsieur Poirot, dit-elle d'une voix claire, je vous jure solennellement que j'ignore totalement où peut se trouver Ralph, que je ne l'ai pas vu et que je n'ai pas communiqué avec lui, ni le jour du meurtre, ni depuis. Elle se rassit et Poirot l'observa quelques instants en silence. Puis il abattit brusquement la main sur la table. « Bien, puisque c'est ainsi, n'y revenons pas. » Maintenant, son visage se durcit. « J'en appelle à toutes les personnes présentes. Madame Ackroyd, Major Blunt, Dr Shepard, Monsieur Raymond, vous êtes tous les amis, sinon les amis intimes, de l'homme que nous recherchons. Si vous savez où se cache Ralph Patton, parlez. » Il y eut un long silence. Poirot nous regarda l'un après l'autre. « Je vous en conjure, dit-il d'une voix grave, parlez. » Mais le silence s'éternisait, et ce fut la voix plaintive de Madame Ackroyd qui y mit fin. Je dois avouer que l'absence de Ralph est assez singulière, oui, vraiment singulière. Disparaître en un moment pareil, à mon avis, il y a du louche là-dessous, et je ne puis m'empêcher de penser, Flora chérie, que tu as eu beaucoup de chance. Tes fiançailles n'étaient pas encore officielles. Maman, protesta Flora indignée. C'est la Providence, affirma Madame Ackroyd. J'ai toujours cru en elle, aveuglément. C'est elle qui façonne nos destinées. C'est sa main divine qui modèle nos âmes et nos corps. Comme l'a si bien dit Shakespeare. Le rire juvénile de Geoffrey Raymond fusa presque en même temps que ses paroles. Vous ne prétendez tout de même pas que si quelqu'un a de grosses chevilles, c'est la faute du Tout-Puissant, Madame Ackroyd. Je pense qu'il voulait détendre l'atmosphère, mais Madame Ackroyd lui jeta un regard de reproche douloureux et brandit son mouchoir. Flora vient d'échapper à une publicité des plus fâcheuses. Non que j'ai jamais admis le moindre rapport entre ce cher Ralph et la mort de ce pauvre Roger. Non, pas le moindre. Mais je suis si confiante. Enfant, j'étais déjà ainsi. J'aurais pu n'y avoir le mauvais côté des gens. Cela dit, il ne faut pas oublier qu'étant petit, Ralph a subi l'épreuve de plusieurs bombardements aériens. Cela peut laisser des traces qui n'apparaissent que longtemps après, paraît-il. Les gens perdent le contrôle de leurs actes et deviennent irresponsables. Ils ne savent plus se dominer. « Maman !» s'écria Flora. « Vous ne croyez pas Ralph coupable ?»« Poursuivez, Madame Ackroyd, intervint le major. Je ne sais plus que penser. Tout cela est très démoralisant. Que deviendrait l'héritage de Ralph s'il était reconnu coupable? Je me le demande. » Raymond repoussa brutalement sa chaise, mais Blunt resta impassible. Il observait pensivement Madame Ackroyd. « Vous savez, reprit-elle avec obstination, il a été traumatisé et je dois avouer que Roger lui serrait les cordons de la bourse, avec les meilleures intentions du monde, bien entendu. Je vois bien que vous êtes tous contre moi, mais je n'en pense pas moins que l'absence de Ralph est très bizarre. Et je remercie le ciel que les fiançailles de Flora n'aient jamais été officielles. » « Et elles le seront demain, dit Flora de sa voix claire. Flora ? » Ignorant cette exclamation consternée, Flora s'adressa au secrétaire. « Voulez-vous faire paraître l'annonce dans le Morning Post ?»« Et le Times, je vous prie, Monsieur Raymond. »« Si vous êtes certaine que ce soit la solution raisonnable, Miss Ackroyd, » répondit gravement le secrétaire. Dans un élan spontané, elle se tourna vers Blunt. « Comprenez-moi. Que puis-je faire d'autre? La situation étant ce qu'elle est, je dois soutenir Ralph. Ne voyez-vous pas que j'y suis tenue ?» Elle observait avec une attention aiguë. Et après un long silence, le major fit un signe d'assentiment, très bref. Madame Ackroyd poussa des hauts cris. Flora resta inébranlable, puis Raymond prit la parole. « J'apprécie vos raisons d'agir, Miss Ackroyd, mais tout cela n'est-il pas un peu précipité? Attendez donc un jour ou deux. »« Demain, » trancha résolument Flora. « N'insistez pas, maman, c'est décidé. »
Je suis loin d'être parfaite et je suis incapable de trahir un ami. Dites quelque chose, monsieur Poirot, larmoya madame Ackroyd. Il n'y a rien à dire, intervint Blunt. Elle fait ce qu'elle doit faire et je la soutiendrai envers et contre tout. La jeune fille lui tendit la main. Merci, major Blunt. Mademoiselle, commença Poirot, permettez au vieux monsieur que je suis de vous féliciter pour votre courage et votre loyauté. Et ne vous méprenez pas sur mes intentions si je vous demande solennellement de reculer d'un jour ou deux l'annonce dont vous venez de parler. Flora hésita. Je vous le demande dans l'intérêt de Ralph Patton, aussi bien que dans le vôtre, mademoiselle. Vous froncez les sourcils, vous ne voyez pas où je veux en venir, mais je vous assure que c'est très sérieux. Vous m'avez confié cette affaire, ne me mettez pas de bâton dans les roues. Flora réfléchit quelques minutes avant de répondre. Ce conseil ne me plaît pas beaucoup, mais je le suivrai. Sur ce, elle reprit sa place et Poirot enchaîna aussitôt. Et maintenant, mesdames et messieurs, j'irai jusqu'au bout de ma pensée. Comprenez ceci. J'ai l'intention de découvrir la vérité, car si la vérité peut être hideuse en elle-même, elle sera toujours belle et fascinante aux yeux de celui qui la cherche. Je suis âgé, mes capacités ne sont peut-être plus qu'elles étaient. Ici, je sentis qu'il attendait des protestations. Et il est très probable que cette affaire soit ma dernière investigation. Or, Hercule Poirot ne reste jamais sur un échec. Je vous le dis, mesdames et messieurs, je veux savoir et je saurai, malgré vous tous. Il énonça ces derniers mots d'un ton provocant, comme s'il me les jetait à la figure. Je crois que nous eûmes tous un haut-le-corps, à l'exception de Geoffrey Raymond, qui conserva son flegme et sa bonne humeur habituelle. Qu'entendez-vous par « malgré vous tous » demanda-t-il en haussant légèrement les sourcils. Mais simplement cela, monsieur. Chacun de vous me dissimule quelque chose. Un murmure de protestation s'éleva, qu'il fit taire d'un geste. Mais si, je sais ce que j'avance. Il s'agit peut-être d'un détail sans importance, anodin, et que vous croyez sans rapport avec l'enquête. Mais c'est un fait. Chacun de vous a quelque chose à cacher. Eh bien, n'ai-je pas raison? Son regard fit le tour de la table, nous défiant et nous accusant tout à la fois. Et tous, nous baissâmes les yeux. Oui, tous. Moi comme les autres. J'ai ma réponse, observa Poirot avec un curieux petit rire. Et là-dessus, il se leva. C'est à vous tous que je m'adresse solennellement. Dites-moi la vérité, toute la vérité. Silence. Personne ne voudra donc parler. Il eut à nouveau son petit rire bref et dit en français. C'est dommage. Sur quoi il quitta la pièce. Chapitre 13. Le tuyau de plume. Ce soir-là, comme il m'en avait prié, j'allai voir Poirot chez lui après le dîner. Caroline me regarda partir avec un manque d'enthousiasme évident. Je crois qu'elle aurait bien voulu m'accompagner. Poirot m'accueillit en hôte attentionné. Sur une petite table, il avait disposé une bouteille de whisky irlandais, que je déteste, un siphon d'eau gazeuse et un verre. Quant à lui, il était en train de préparer du chocolat, une de ses boissons préférées, comme je devais le découvrir plus tard. Il prit poliment des nouvelles de ma sœur, une femme si intéressante. Je crains que vous lui ayez un peu tourné la tête, dimanche. Au fait, pourquoi cette visite? Il rit et ses yeux pétillèrent. J'aime avoir recours aux experts, dit-il d'un ton sibyllin. Je dus me contenter de cette explication. Vous avez dû recueillir tous les potins du village, les vrais comme les faux. Pour un seul, docteur, un seul. Le dernier? Hasardai-je. Je n'obtins qu'une réponse évasive. Je trouve Miss Russell très intéressante à étudier. Partagez-vous l'opinion de ma sœur et de madame Ackroyd, qui lui trouve quelque chose de louche? De louche, dites-vous? Je ne vois pas très bien. Je fis de mon mieux pour expliquer l'adjectif. Alors, c'est ce qu'elles en disent. Ma sœur ne vous l'a donc pas laissé entendre? C'est possible. Rien ne justifie cette opinion, d'ailleurs. Ah, les femmes! S'exclama Poirot en français. Elles sont fantastiques. Elles inventent au hasard et comme par miracle, elles ont raison. Non pas vraiment par miracle. Elles observent, sans même en avoir conscience, une infinité de détails. Leur subconscient les rapproche, en tire des conclusions qu'elles appellent intuition. Moi, je connais ces choses, voyez-vous. Je suis génial en psychologie. Il bomba le torse d'un air si ridicule que j'eus du mal à ne pas éclater de rire. Puis il lampa une gorgée de chocolat et s'essuya délicatement la moustache. « Mais que pensez-vous réellement de tout cela ? » m'écriai-je. « J'aimerais vraiment le savoir. » Poirot reposa sa tasse. « Vraiment, vous êtes sûr ?»« Tout à fait. Vous avez vu ce que j'ai vu.
Nos opinions devraient concorder. J'ai l'impression que vous vous moquez de moi, dis-je avec raideur. Je n'ai aucune expérience en la matière. Vous êtes comme les enfants, observa Poirot avec un rire indulgent. Ils veulent toujours savoir comment le moteur fonctionne. Vous cherchez à voir cette affaire, non pas comme le verrait un médecin de famille, mais avec un regard de détective. Eux n'ont personne à ménager, aucun lien personnel avec qui que ce soit. Et à leurs yeux, tout le monde est suspect. C'est tout à fait cela. Alors laissez-moi vous donner une petite leçon. Pour commencer, tâchons de résumer clairement ce qui s'est passé ce soir-là, sans perdre de vue cette triste réalité. La personne que vous interrogez peut très bien mentir. Quelle méfiance, fis-je étonné. Méfiance nécessaire, je vous assure, très nécessaire. Bon, commençons par le commencement. Le docteur Shepard quitte la maison à 9h-10. Or cela, comment le sais-je? Parce que je vous l'ai dit. Mais vous auriez pu mentir, ou ne pas avoir l'heure exacte. Mais Parker confirme cette déclaration. Donc nous l'acceptons, et nous poursuivons. À 21h, et ici débute ce que nous appellerons la légende du mystérieux inconnu, vous manquez de vous heurter à un homme juste en sortant du parc. Comment suis-je au courant? Mais encore une fois, parce que je... Poirot m'interrompit d'un geste impatient. « Décidément, vous n'avez pas l'esprit très rapide ce soir, mon ami. Vous savez ce qu'il en est. Mais moi, comment puis-je en être sûr? N'ayez crainte, je puis vous affirmer que ce mystérieux inconnu n'était pas une hallucination de votre part, car la bonne d'une certaine demoiselle Ganette l'a croisé quelques minutes plus tôt, et à elle aussi, il a demandé le chemin de fer à l'Iparc. Nous admettons donc son existence et pouvant tenir pour certains les deux faits suivants. Primo, il ne connaissait pas la région. Secondo, il ne cherchait pas à se cacher, quelle que fût la raison de sa visite. Sinon, il n'aurait pas demandé deux fois le chemin de fermé. Je vous suis. Bien. Je me suis donc fait un devoir de me renseigner davantage sur notre inconnu. J'ai su qu'il avait pris un verre aux Trois Marcassins, et la serveuse m'a appris deux choses. Il parlait avec l'accent américain et racontait qu'il arrivait des États-Unis. Aviez-vous remarqué cet accent? Je réfléchis quelques instants, rassemblant mes souvenirs. Oui, il me semble, mais il était si léger. Justement, et il y a encore ceci, que j'ai ramassé dans le pavillon d'été, vous vous rappelez? Il me tendit le petit tuyau de plume d'oie, que j'examinais avec curiosité. Puis le souvenir d'une ancienne lecture remonta dans ma mémoire. Poirot, qui m'observait attentivement, fit un petit signe de tête. C'est cela, de l'héroïne, de la neige, comme disent les drogués. C'est ainsi qu'il la porte sur eux et la renifle, dans un tuyau de plume. Hydrochlorure de diamorphine, murmurai-je machinalement. Une façon d'absorber la substance très répandue outre-Atlantique. Et une preuve de plus, s'il nous en fallait une, que l'homme venait des États-Unis ou du Canada. Mais qu'est-ce qui a bien pu attirer votre attention sur le pavillon d'été pour commencer? Mon ami l'inspecteur tenait pour acquis que le sentier servait uniquement de raccourci. Mais dès que j'ai aperçu le pavillon, j'ai compris ceci. Si quelqu'un utilisait la petite maison comme lieu de rendez-vous, il devait passer par là. Il semble établi que l'inconnu ne s'est présenté ni à l'entrée, ni à la porte de service. Donc quelqu'un de la maison a dû sortir pour le rejoindre. Et dans ce cas, quel meilleur endroit pour se rencontrer que le pavillon? En le fouillant, j'espérais y trouver un indice. Mais j'en ai trouvé deux. Le lambeau de Baptiste et la plume. « Et ce lambeau de Baptiste, qu'en faites-vous ? » Poirot haussa les épaules. « Servez-vous de vos petites cellules grises, rétorqua-t-il avec sécheresse. La signification de ce morceau d'étoffe à midonner devrait sauter à l'esprit. Ce qui n'est pas le cas de toute façon, dis-je pour changer de sujet. Cet homme est bien allé au pavillon pour rencontrer quelqu'un. Alors qui ? C'est précisément ce que je me demande. » Vous vous souvenez que Mme Ackroyd et sa fille vivaient au Canada avant de venir ici? C'est cela que vous vouliez dire quand vous les accusiez de nous cacher quelque chose? Peut-être, mais ce n'est pas tout. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de la femme de chambre? Quelle histoire? La version qu'elle nous a donnée, son renvoi. A-t-on besoin d'une demi-heure pour congédier une domestique? Et ces papiers soi-disant si importants? Cela vous paraît vraisemblable? Et rappelez-vous, elle prétend être restée dans sa chambre entre 21h30 et 22h. Mais personne n'a pu confirmer ces déclarations. Vous m'embrouillez, je ne sais plus où j'en suis. Et moi, j'y vois de plus en plus clair.
Mais donnez-moi plutôt votre opinion sur la question. Assez confus, je tirai un feuillet de ma poche. Je me suis contenté de noter quelques idées. Excellence, là, vous avez de la méthode, je vous écoute. Je lus donc, avec une voix quelque peu hésitante. Pour commencer, envisager les choses avec logique. Tout à fait ce que disait mon pauvre Hastings, interrompit Poirot. Mais hélas, il ne l'a jamais fait. Premier point. À 21h30, on a entendu M. Ackroyd parler à quelqu'un. Deuxième point. Ralph Patton a dû entrer par la fenêtre au cours de la soirée, comme le prouvent les empreintes de ses chaussures. Troisième point. Ce soir-là, M. Ackroyd était inquiet et n'a dû laisser entrer qu'une personne qu'il connaissait bien. Quatrième point. La personne qui se trouvait avec M. Ackroyd à 21h30 lui réclamait de l'argent et Ralph Patton avait des embarras d'argent. Ces quatre points semblent indiquer que la personne qui se trouvait avec M. Ackroyd à 21h30 était Ralph Patton. Mais nous savons que M. Ackroyd était encore vivant à 10h moins le quart. Ce n'est donc pas Ralph Patton qui l'a tué. Ralph a laissé la fenêtre ouverte. C'est par là que l'assassin est entré un peu plus tard. Et l'assassin, qui était-il? L'Américain inconnu. Il devait être de mèche avec Parker, qui est sans doute le maître chanteur de Madame Ferrars. Si c'est le cas, Parker a pu en entendre assez pour comprendre tout ce qui était perdu et prévenir son complice. Ce dernier a commis le crime à l'aide du poignard que lui a remis Parker. La théorie se tient, admit Poirot. Finalement, vos petites cellules grises fonctionnent bien. Toutefois, il subsiste quelques lacunes. Lesquelles? Il reste à expliquer ce coup de téléphone, ce fauteuil déplacé. Ce fauteuil a-t-il tant d'importance? Pas forcément, reconnut mon ami. Il a pu être déplacé par hasard et sous le coup de l'émotion. Raymond ou Blunt ont pu le repousser machinalement, mais n'oublions pas les 40 livres manquantes. Ackroyd a pu changer d'avis et les donner à Ralph. Soit, mais il reste toujours un point à éclairer. Lequel? Pourquoi Blunt était-il si certain que la personne qui se trouvait avec M. Ackroyd à 21h30 était son secrétaire? Il s'est expliqué là-dessus. Vous croyez? Bon. Passons. Dites-moi plutôt pour quelle raison Capitaine Patton a disparu. Voilà qui est un peu plus difficile. Je vais devoir adopter le point de vue du médecin. Je crois que les nerfs de Ralph ont lâché. Il venait d'avoir une entrevue avec son oncle, orageux sans doute. S'il a appris brutalement que celui-ci a été assassiné quelques minutes à peine après qu'il eût quitté, il a très bien pu prévoir qu'on l'accuserait et s'enfuir. Il n'est pas rare de voir des gens se comporter en coupables alors qu'ils sont parfaitement innocents. Oui, c'est vrai, admit Poirot. Mais il y a une certaine chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Je sais ce que vous allez dire, le mobile. Ralph Patton hérite une énorme fortune de son beau-père. Ce pourrait être l'un des mobiles, en effet. Des mobiles? Mais oui. Vous rendez-vous compte que nous avons le choix entre trois mobiles différents? Évident. Quelqu'un a forcément volé l'enveloppe bleue et son contenu. Premier mobile, le chantage. Il se peut que le maître chanteur soit Ralph Patton. D'après Hammond, si vous vous souvenez, il y a un certain temps que le capitaine n'avait pas demandé d'argent à son beau-père, ce qui semble indiquer qu'il s'en procurait ailleurs. Nous savons aussi qu'il était au bout du rouleau. Il devait redouter que son beau-père ne l'apprenne. Second mobile, le troisième étant celui que vous venez de signaler. Ciel, m'exclamai-je, quelque peu désarçonné. Son calme paraît bien désespéré. Ah, vraiment, dit Poirot. C'est là que mon opinion diffère de la vôtre. Trois mobiles, c'est presque trop. Je suis enclin à croire qu'après tout, Ralph Patton est innocent. Chapitre 14. Madame Ackroyd. Après la soirée que je viens de relater, il me sembla que l'affaire entrait dans une nouvelle phase. Maintenant que je la vois dans son ensemble, je peux la diviser en deux parties bien distinctes. La première allant de la mort d'Ackroyd le vendredi soir au lundi soir suivant. En voici le compte-rendu fidèle, tel que je l'ai soumis à Hercule Poirot tout au long de cette première phase. Je l'ai suivi pas à pas. J'ai vu ce qu'il voyait. Je me suis efforcé de déchiffrer ses pensées. Comme je le sais à présent, j'ai échoué dans cette dernière tâche, bien que Poirot m'eût tenu au courant de toutes ses découvertes, celle de l'alliance en l'or, par exemple, et gardait pour lui l'essentiel de ses déductions. À la fois si intuitive et si logique. Cette extrême réserve, je l'appris par la suite, était tout à fait dans son caractère.
Il lançait quelques allusions ou suggestions, mais n'allait jamais plus loin. Ainsi donc, jusqu'au lundi soir, mon récit aurait pu être écrit par Poirot lui-même. Je servais de Watson à ce Sherlock. Mais à partir de là, nos chemins divergèrent, et Poirot s'affaira de son côté en solitaire. J'entendis parler de ses activités, car tout se sait à King's Abbot. Mais il ne me prit plus pour confident. Si je regarde en arrière, ce qui me frappa le plus dans cette période, c'est son côté brouillon. Tout le monde se mêlait d'élucider ce mystère, et chacun apportait sa petite pièce au puzzle. Une idée, une trouvaille. Mais cela n'allait pas plus loin. À Poirot seul revient l'honneur d'avoir su mettre chacune de ses pièces à sa place exacte. Il y eut bien quelques incidents curieux et sans rapport apparent avec le crime, comme celui des chaussures noires, par exemple. Mais n'anticipons pas. Pour m'en tenir strictement à l'ordre chronologique, je reprendrai au moment où je fus appelé au chevet de Madame Ackroyd. Elle m'envoya chercher le mardi matin de très bonne heure. Comme l'appel était urgent, je m'empressai d'accourir, m'attendant à la trouver à la dernière extrémité. Madame était au lit. La situation l'exigeait. Elle me tendit une main osseuse et me désigna un siège tout près d'elle. « De quoi souffrez-vous » demandai-je avec cette amabilité feinte que tous les malades semblent attendre de leur médecin. « Je suis à bout de nerfs, » gémit-elle d'une voix faible. « Absolument à bout. C'est le choc, vous comprenez, ce pauvre Roger. Le contre-coup peut se produire en retard, paraît-il, c'est la réaction. »« À d'autres, » faillis-je rétorquer. Malheureusement, un médecin est tenu par son éthique professionnelle de garder ses pensées pour lui. Enfin, quelquefois. Je me bornai donc à suggérer un fortifiant que Madame Ackroyd accepta de prendre. Nous allions pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je n'avais pas cru un seul instant à la version du choc nerveux causé par la mort d'Ackroyd. Dans quelque domaine que ce soit, Madame Ackroyd est totalement incapable d'aller droit au but. Elle s'en approche toujours par la bande. Je me demandais vraiment pourquoi elle m'avait fait appeler. « Et cette scène hier ?» reprit-elle alors. Ma patiente se tut, attendant la réplique. Je la donnai. « Quelle scène ?» « Docteur, comment pouvez-vous? Auriez-vous oublié cet affreux petit français ou belge, tout ce que vous voulez? Nous avoir malmené ainsi, j'étais bouleversé, surtout après le choc que m'a causé la mort de ce pauvre Roger. Je suis vraiment navré, madame. Et nous parler sur ce ton? Je ne vois pas ce qu'il voulait dire, d'ailleurs. J'espère connaître assez bien mon devoir pour ne pas songer un instant à dissimuler quoi que ce soit. J'ai fourni à la police toute l'aide dont j'étais capable. Mais certainement... glissai-je lorsqu'elle s'interrompit. Je commençais à entrevoir où elle voulait en venir. Personne ne peut m'accuser d'avoir manqué à mon devoir, enchaîna-t-elle. Je suis sûre que l'inspecteur Raglan est entièrement satisfait. Pourquoi ce petit parvenu d'étranger fait-il tant d'embarras? D'ailleurs, il est grotesque. On dirait une caricature de français dans une revue comique. Je ne vois vraiment pas pourquoi Flora a insisté pour le mêler à tout cela. Elle ne m'avait pas soufflé un mot de ses intentions. Elle n'en a fait qu'à sa tête. Flora est trop indépendante. Moi qui connais la vie et qui suis sa mère, elle aurait quand même pu me demander mon avis. Je la laissai s'épancher sans mot dire. Mais qu'est-ce qu'il s'imagine? Je voudrais bien le savoir. Croit-il que je lui cache quelque chose? Il m'a pratiquement accusé hier. Je haussai les épaules. Ces remarques ne sauraient avoir la moindre importance, Madame Ackroyd. Puisque vous ne dissimulez rien, elles ne s'appliquent pas à vous. Fidèle à elle-même, Madame Ackroyd louvoya. Et ces domestiques, quelle plaie! Ils bavardent entre eux. Leurs cancans se répandent. Et qu'y a-t-il de vrai là-dedans? Rien du tout, la plupart du temps. Les domestiques ont donc bavardé, Madame Ackroyd. Et à propos de quoi? Elle me lança un regard si aigu que je faillis perdre contenance. Je pensais que vous, au moins, vous seriez au courant, docteur. N'êtes-vous pas toujours resté aux côtés de Monsieur Poirot? Mais si... Alors, vous savez, pour cette fille, Ursula Bourne, c'est bien cela. Bien entendu, elle s'en va. Il fallait qu'elle nous crée le plus d'ennuis possible, par pure malveillance. Ils sont tous pareils. Mais vous qui étiez présent, docteur, vous devez savoir ce qu'elle a dit au juste. Il serait si fâcheux que des faux bruits se répandent. Et la police n'a pas besoin de tout savoir, n'est-ce pas? Quand certaines affaires de famille sont en jeu, rien à voir avec le crime, bien sûr. Mais si cette fille a mauvais esprit... Qui sait ce qu'elle a pu raconter? J'étais assez perspicace pour me rendre compte que ce flot de paroles cachait une réelle inquiétude. Poirot ne s'était pas trompé.
Parmi les 6 personnes qui avaient pris part à la réunion de la veille, une au moins avait quelque chose à cacher. Il me restait à découvrir quoi, et je n'y allais pas par 4 chemins. À votre place, Madame Ackroyd, je ferai des aveux complets. Elle laissa échapper un petit cri. « Oh, docteur, quelle brutalité! Comment pouvez-vous me parler ainsi? Cela fait tellement, tellement, alors que je puis tout expliquer si simplement. En ce cas, pourquoi ne pas le faire ?» Madame Ackroyd exhiba un mouchoir de dentelle et commença à larmoyer. « Je pensais, docteur, que vous pourriez amener Monsieur Poirot à comprendre, c'est-à-dire, c'est si difficile pour un étranger de partager notre point de vue, et vous ne savez pas. » Personne ne peut savoir ce qu'il m'a fallu endurer. Un martyr, un long martyr, voilà ce que ça a été ma vie. Je n'aime pas me dire des morts, mais Roger épluchait les moindres factures, comme s'il n'avait eu qu'un misérable revenu de quelques centaines de livres, alors qu'il était, comme je l'ai appris hier par M. Hammond, un des hommes les plus riches du pays. Madame Ackroyd s'interrompit pour se tamponner les yeux avec son mouchoir de dentelle. Continuez, dis-je d'un ton encourageant. Vous parliez de factures, je crois. Ah, ces horribles factures. Sans compter celles que je ne tenais pas à montrer à Roger. Il y a des choses qu'un homme ne comprendra jamais, et il aurait dit que c'était du superflu. Alors forcément, elles s'accumulaient, et il ne cessait d'en arriver. Vous savez ce que c'est. Elle me lança un regard suppliant, comme pour m'inviter à compatir à ce dernier malheur. Je compatis. Les factures ont en effet cette fâcheuse habitude. La voix de Madame Ackroyd s'altéra. Et se fit presque implorante. Croyez-moi, docteur, j'étais à bout de nerfs. Je ne dormais plus. J'avais des palpitations épouvantables. C'est alors que j'ai reçu une lettre d'un monsieur écossais. Ou plutôt 2 lettres. Il y avait 2 messieurs écossais. Monsieur Bruce Macpherson et Monsieur Colin MacDonald. Quelle coïncidence, non? Pas vraiment, commentai-je d'un ton sec. Ces messieurs vont souvent par pair. Ils s'offraient à prêter entre 10 et 10 000 livres, sur simple signature, murmura pensivement Madame Ackroyd. J'ai répondu à l'un d'eux, mais quelques difficultés surgirent, me semble-t-il. Elle se tut, m'indiquant par là que le terrain devenait glissant. Jamais avec qui que ce soit, je n'avais eu autant de mal à en venir au fait. Vous comprenez, reprit-elle sur le même ton, tout est une question d'espérance, enfin, d'espérance d'héritage. Et moi, ce n'est pas... J'espérais que Roger assurerait mon avenir, mais je n'avais aucune certitude à ce sujet. J'ai pensé que si je pouvais jeter un coup d'œil sur un exemplaire de son testament, sans me montrer indiscrète, non, rien d'aussi vulgaire, mais seulement pour être en mesure de prendre mes dispositions personnelles. Elle me regarda à la dérobée. La situation était devenue très délicate. Par bonheur, certaines nuances de langage peuvent servir à voiler la hideuse nudité des faits. « Je ne pouvais me confier qu'à vous, cher docteur Shepard, » enchaîna rapidement Madame Ackroyd. « Je sais que vous me jugerez pas mal et que vous saurez présenter les choses à M. Poirot sous leur véritable jour. Voilà. Vendredi après-midi, » elle s'interrompit, hésita et avala sa salive. « Eh bien, vendredi après-midi, tout le monde était sorti, ou du moins je le croyais. Je suis entré dans le bureau de Roger, pas en cachette. J'avais vraiment une bonne raison d'y aller et... C'est là que j'ai vu tous ces papiers entassés sur le bureau. Cela a fait comme un déclic dans mon esprit. Je me suis demandé, et si Roger rangeait son testament dans un de ces tiroirs? J'ai toujours été impulsive, j'agis sur l'inspiration du moment, et Roger avait laissé ses clés sur le tiroir du haut, ce qui était très négligent de sa part d'ailleurs. « Je vois, » dis-je pour l'encourager. « Vous avez fouillé le bureau et avez trouvé le testament. » Une exclamation de Madame Ackroyd m'avertit que j'avais manqué de diplomatie. Quelle horrible façon de voir les choses! En fait, cela ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Bien sûr que non, veuillez me pardonner si j'ai eu un mot malheureux. Les hommes sont vraiment bizarres. Moi, à la place de ce cher Roger, je n'aurais vu aucune objection à révéler mes dispositions testamentaires. Mais vous êtes si cachotier. Nous sommes bien forcés d'avoir recours à de petits subterfuges pour nous défendre. Et quel est le résultat de votre petit subterfuge? Justement, j'y arrive. Au moment où j'ouvrais le tiroir du bas, Bourne est entré, ce qui était très embarrassant. Bien entendu, j'ai fermé le tiroir et je me suis relevé et je lui ai fait remarquer quelques traces de poussière sur le bureau. Mais son attitude m'a profondément déplu. Très respectueuse en apparence, mais le regard mauvais, presque méprisant. Si vous voyez ce que je veux dire.
Je n'ai jamais beaucoup aimé cette fille. Elle travaille bien, s'exprime avec déférence et ne fait pas d'histoire pour porter la coiffe et le tablier, ce qui devient rare, soit dit en passant. Elle n'hésite pas à y conduire un visiteur lorsqu'il lui arrive de remplacer par cœur. Et n'est pas affligée de ces curieux gargouillis d'estomac qui semblent si répandus chez les filles qui servent à table. Mais où en étais-je? Vous disiez que malgré ses nombreuses et remarquables qualités, vous n'aimiez pas Bourne. C'est juste, elle est bizarre, différente des autres domestiques et, à mon avis, trop bien élevée. De nos jours, on ne sait plus distinguer une dame de sa femme de chambre. Et ensuite, que s'est-il passé? Rien. Enfin, si, Roger est entré et m'a demandé ce que je faisais là. J'ai répondu que j'étais simplement venu chercher le punch. J'ai donc pris le punch. Je suis sorti, mais pas Bourne. Je l'ai entendu demander à Roger un instant d'entretien et suis monté tout droit dans ma chambre pour m'étendre un peu. J'étais bouleversé. Un silence plana. Vous expliquerez cela à Monsieur Poirot, n'est-ce pas? Vous voyez bien vous-même à quel point c'est insignifiant. Mais il avait l'air si sévère en parlant de ce que nous lui dissimulions. Cela m'a tout de suite rappelé cet incident. Bourne a dû raconter je ne sais quelle histoire, mais vous arrangerez tout, n'est-ce pas? M'avez-vous vraiment tout dit, sans rien omettre? Oui, commença Madame Ackroyd. Oui, c'est tout. Elle avait repris de l'assurance. J'avais noté son hésitation passagère et deviné qu'elle me cachait quelque chose. Ce fut un véritable éclair d'intuition qui me poussa à lui demander. Madame Ackroyd, est-ce vous qui avez laissé la vitrine ouverte? Aucune couche de fard ou de poudre n'aurait suffi à cacher la rougeur qui lui monta au visage. J'avais ma réponse. Comment avez-vous su? Chuchota-t-elle. Alors c'était vous. Oui, je. Voyez-vous, il y avait là quelques vieux bibelots en argent très intéressants. Je venais de lire un article sur la question, illustré par une photographie, celle d'un objet minuscule vendu aux enchères chez Christie's pour une somme astronomique. Et il y en avait un, presque pareil, dans la vitrine. J'ai pensé que je pourrais le faire évaluer à Londres, la prochaine fois que j'irai. Si par hasard il avait eu une grande valeur, quelle bonne surprise pour Roger, non? J'acceptais l'histoire de Madame Ackroyd pour ce qu'elle valait, et m'abstins de tout commentaire. Je ne lui demandais même pas pourquoi elle s'était entourée de tant de précautions pour prendre l'objet qu'elle voulait emporter. Simplement, je m'étonnais. Mais pourquoi n'avez-vous pas refermé le couvercle? Vous avez oublié? C'est la surprise. Quand j'ai entendu des pas sur la terrasse, je suis sorti précipitamment et je venais d'arriver à l'étage quand Parker vous a ouvert. Ce devait être Miss Russell, dis-je d'une voix songeuse. Madame Ackroyd venait de me révéler un détail du plus haut intérêt. Que ses vues sur l'argenterie d'Ackroyd fussent ou non des plus honorables, m'importait peu. Ce qui éveillait mon intérêt était le fait que Miss Russell avait dû entrer par la porte-fenêtre. Je ne m'étais donc pas trompé en supposant qu'elle était essoufflée d'avoir couru. Où était-elle allée? Je pensais au pavillon d'été et au lambeau de batiste et m'exclamais sans réfléchir. Je me demande si Miss Russell a mis donne ses mouchoirs. Dame Ackroyd sursauta, ce qui me rappela à moi-même. Je me levai. Croyez-vous pouvoir expliquer tout cela à Monsieur Poirot? S'inquiéta-t-elle. Certainement et en détail. Je réussis enfin à prendre congé, non sans avoir dû subir une nouvelle avalanche de justifications. Ursula Bourne était dans le hall et ce fut elle qui m'aida à enfiler mon pardessus. Je l'observai un peu plus attentivement que je ne l'avais fait auparavant. Il était clair qu'elle venait de pleurer. Je l'interrogeai. Pourquoi nous avoir dit que M. Ackroyd vous avait fait appeler vendredi? J'apprends que c'est vous qui avez sollicité cet entretien. Pendant un instant, le regard de la jeune fille se déroba devant le mien. Puis elle prit la parole d'un ton mal assuré. Je comptais m'en aller de toute façon. Je ne répondis rien et elle ouvrit la porte devant moi. J'allais sortir quand elle demanda soudain d'une voix sourde. Je vous prie de m'excuser, monsieur. A-t-on des nouvelles du capitaine Patton? Je secouai la tête et lui jetai un regard interrogateur. Il faudrait qu'il revienne, ajouta-t-elle. Oui, vraiment, il devrait revenir. Elle levait sur moi des yeux implorants. Personne ne sait donc où il est? Et vous? Rétorquai-je vivement. Non, je n'en sais vraiment rien. Mais n'importe lequel de ses amis devrait le lui dire, il faut qu'il revienne. Je m'attardai, espérant que la jeune fille ne s'en tiendrait pas là. Mais la question qui vint ensuite me surprit.
À quelle heure la police pense-t-elle que le meurtre a été commis? Juste avant 22 heures? À peu près. Entre 10 heures moins le quart et 10 heures. Pas plus tôt. Pas avant moins le quart, par exemple. Je l'observais avec attention. Il était si évident qu'elle désirait une réponse affirmative. Non, c'est hors de question. Miss Ackroyd a vu son oncle vivant à 10 heures moins le quart. Elle se détourna et parut se tasser sur elle-même. Jolie fille, me dis-je en m'en allant. Une vraie beauté. Caroline était à la maison, transportée d'aise et gonflée d'importance. Elle avait de nouveau reçu la visite de Poirot. Je l'aide à résoudre l'énigme, m'expliqua-t-elle. Je ne me sentis pas rassurée. Caroline est déjà assez pénible comme ça. Mais si on encourage ses instincts de limier, où va-t-on? Je m'informai. Seriez-vous en train d'explorer le voisinage pour retrouver la mystérieuse amie de Ralph? Cela, je pourrais le faire toute seule. Non, c'est quelque chose de très spécial que M. Poirot m'a chargé de découvrir pour lui. Mais encore. Une note solennelle vibra dans la voix de Caroline. Il veut savoir si les bottines de Ralph étaient noires ou marron. J'ouvris des yeux effarés. Je sais maintenant de quelle incroyable stupidité j'ai fait preuve à propos de ces bottines. J'aurais dû comprendre tout de suite. C'étaient des souliers marrons, je les ai vus. Pas des souliers, James, des bottines. Monsieur Poirot veut savoir si la paire de bottines que Ralph avait dans ses affaires à l'hôtel était marron ou noire. C'est un détail capital. Traitez-moi d'ahuri tant qu'il vous plaira, je ne compris rien. Et comment comptes-tu t'y prendre? Demandai-je. Caroline prétendit que cela ne présentait aucune difficulté. La meilleure amie de notre brave Annie était Clara, la bonne de Miss Gannett. Et Clara fréquentait le garçon d'étage des Trois Marcassins. L'affaire était donc d'une simplicité enfantine, et Miss Gannett coopéra loyalement. Elle accorda sur-le-champ un congé à Clara, et la question fut réglée tambour battant. Nous nous mettions à table pour le déjeuner, lorsque Caroline laissa tomber d'un ton faussement détaché. Au fait, les bottines de Ralph Patton. Eh bien, qu'as-tu appris? Monsieur Poirot pensait qu'elles devaient être marron. Il se trompait. Elles étaient noires. Sur ce, Caroline hocha la tête à plusieurs reprises. De toute évidence, elle estimait qu'elle venait de marquer un point contre Poirot. Je ne répondis pas, je réfléchissais. Je me demandais quel rapport la couleur des bottines de Ralph pouvait bien avoir avec le meurtre. Chapitre 15. Geoffrey Raymond. Je devais ce jour-là avoir une nouvelle preuve du succès des méthodes de Poirot. Le défi qui nous avait lancé révélait sa finesse et sa connaissance innée de la nature humaine. Madame Ackroyd avait été la première à réagir. La peur et le sentiment de sa culpabilité lui avaient arraché la vérité. Dans l'après-midi, en revenant de ma tournée de visite, j'appris par Caroline que Geoffrey Raymond venait de partir. Est-ce qu'il voulait me voir? Demandai-je en accrochant mon pardessus dans le vestibule. Caroline rôdait autour de moi comme une ombre. Non, il cherchait M. Poirot. Il revenait des Mélèzes. Et M. Poirot n'était pas chez lui. M. Raymond a pensé qu'il serait peut-être ici, ou que tu pourrais lui dire où le trouver. Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai essayé de le retenir, mais il m'a dit qu'il retournerait aux Mélèzes dans la demi-heure. Et il est descendu au village. Et c'est bien dommage, car M. Poirot est arrivé juste après son départ. Ici? Non, chez lui. Et comment le sais-tu? Je l'ai vu par la petite fenêtre du couloir. Je pensais que nous avions épuisé le sujet, mais Caroline était d'un autre avis. Tu ne peux pas y aller? Aller où? Au Mélèze, la voix de soi. Ma chère Caroline, qu'irais-je y faire? M. Raymond semblait si désireux de le voir. Tu pourrais savoir de quoi il retourne. Je haussai les sourcils et déclarai avec froideur. Je ne suis pas spécialement curieux, et je peux très bien vivre sans savoir tout ce qui se passe chez mes voisins, ni ce qu'ils ont dans la tête. Taratata, tu es tout aussi curieux que moi, James, mais tu n'es pas aussi franc, voilà tout. Faut toujours que tu te donnes des airs. Vraiment, Caroline. Sur cette exclamation indignée, je me retirai dans mon cabinet. 10 minutes plus tard, Caroline frappait à la porte et entrait, tenant quelque chose à la main. Un pot de confiture, semblait-il. James, est-ce que cela t'ennuierait-il de porter ce pot de gelée de nèfles à M. Poirot? Je le lui ai promis. Il n'a jamais goûté de gelée de nèfles faite à la maison. Tu ne pourrais pas envoyer Annie? Demandai-je d'un ton peu aimable.
Elle fait du raccommodage et j'ai besoin d'elle. Caroline et moi, nous dévisageâmes. Très bien, dis-je en me levant. J'irai la porter, ta gelée de malheur. Mais il n'est pas question que je rentre, c'est clair. Je la remettrai à la bonne. Ma sœur eut une mimique étonnée. Naturellement, qui t'a demandé d'en faire plus? Caroline s'en tirait avec les honneurs de la guerre. Et si jamais tu vois Monsieur Poirot, lança-t-elle quand j'ouvrais la porte, tu pourras toujours lui parler des bottines. Cela, c'était le coup de Jarnac. Et il fit mouche. Je mourais d'envie de percer l'énigme des bottines. Quand la vieille bretonne en coiffe vint m'ouvrir, je m'entendis demander si Monsieur Poirot était chez lui. Poirot se leva promptement pour m'accueillir et parut enchanté de me voir. Asseyez-vous, mon bon ami. Que préférez-vous, le fauteuil ou une chaise? Il ne fait pas trop chaud, n'est-ce pas? À mon avis, on étouffait, mais je m'abstins d'en faire la remarque. Les fenêtres étaient fermées et un grand feu ronflait dans l'âtre. Les Anglais ont la manie d'aérer, déclara Poirot. Le grand air, ça va très bien dehors. C'est sa place, n'est-ce pas? Pourquoi vouloir le faire entrer? Mais laissons ces banalités. Avez-vous quelque chose pour moi? Deux choses. D'abord ceci, de la part de ma sœur. Je lui tendis le pot de gelée de nèfles. Quelle charmante attention! Miss Caroline s'est souvenue de sa promesse. Et l'autre chose, disiez-vous? Appelons cela une information. Je lui racontai mon entretien avec Madame Acroy, et il l'écouta avec intérêt, mais sans plus. Voilà qui déblaye le terrain, observa-t-il pensivement. Et cela confirme la déposition de la gouvernante, ce qui n'est pas sans importance non plus. Rappelez-vous, elle a déclaré avoir trouvé la vitrine ouverte et rabattu le couvercle en passant, et aussi qu'elle n'était entrée que pour vérifier la fraîcheur des bouquets. Qu'en pensez-vous? Nous n'avons jamais pris cela au sérieux, n'est-ce pas, mon ami? De toute évidence, c'était une excuse, inventée à la hâte par une femme anxieuse de justifier sa présence, sur laquelle d'ailleurs personne n'aurait eu l'idée de s'interroger. J'avais supposé que son agitation pouvait venir de ce qu'elle avait tripoté, quelque chose dans la vitrine. Mais j'ai changé d'avis, nous devons chercher ailleurs. Oui, qui a-t-elle rencontré dehors et pourquoi? Vous croyez qu'elle est sortie pour rencontrer quelqu'un? Mais j'en suis sûr. Moi aussi, fit Poirot d'un air songeur. Nous restâmes quelques instants silencieux. Au fait, annonçai-je, j'ai un message à vous transmettre de la part de ma sœur. Les bottines de Ralph n'étaient pas marron, mais noires. Ce disant, je l'observai attentivement, et le temps d'un éclair, je crus voir vaciller son regard. Ce fut si fugitif que je n'en eus même pas la certitude. Elle est absolument sûre qu'elle n'était pas marron? Absolument. Ah, soupira Poirot, l'air navré. Quel dommage. Il paraissait vraiment très abattu. Et sans la moindre explication, il changea brusquement de sujet. Et Miss Russell, la gouvernante, elle est venue vous consulter ce vendredi-là. Est-il indiscret de vous demander de quoi vous avez parlé? Je veux dire, sans violer le secret professionnel. Pas du tout, la consultation proprement dite, une fois terminée, nous avons bavardé quelques minutes sur les poisons, leur détection, plus ou moins facile, la drogue, les drogués, et la cocaïne en particulier. Comment l'avez-vous deviné? Demandai-je quelque peu surpris. Pour toute réponse, le petit homme se leva et s'approcha d'un meuble où des journaux étaient soigneusement rangés. Il me rendit un numéro du Daily Budget, daté du vendredi 16 septembre, et m'indiqua un article relatif à la contrebande de cocaïne. Article haut en couleur et qui n'épargnait pas les effets pittoresques. Et voilà où votre patiente est allée chercher ses histoires de cocaïne, mon ami, commenta Poirot. Peu convaincue, je l'aurais volontiers prié de s'expliquer davantage, mais la porte s'ouvrit et la bonne annonça Geoffrey Raymond. Il entra, aimable et animé, comme à son ordinaire, et nous salua tous les deux. Comment allez-vous, docteur? Monsieur Poirot, c'est la seconde fois aujourd'hui que je viens chez vous. J'avais hâte de vous joindre. En vérité, dit poliment Poirot. Oh, cela n'est pas très important, à vrai dire. Mais tout de même, ma conscience me tourmente depuis hier après-midi. Vous nous avez tous accusés de cacher quelque chose, monsieur Poirot. Je plaide coupable. J'ai un aveu à vous faire. Et lequel, monsieur Raymond? Comme je vous le disais, c'est vraiment sans importance. Enfin, voilà. J'avais des dettes, et même assez lourdes. Et ce legs est tombé à pic. Ces 500 livres vont me remettre à flot et me laisseront même un petit reliquat. Il nous sourit avec cette désarmante franchise que tout le monde appréciait chez lui. Vous savez ce que c'est, reconnaître devant des policiers soupçonneux
Vous avez des ennuis d'argent, cela fait toujours mauvais effet. Et je n'ai pas osé en parler. Ce qui était stupide de ma part, puisque j'étais dans la salle de billard avec Blunt depuis 10 heures moins le quart. Avec un pareil alibi, je n'avais rien à craindre. Pourtant, quand vous avez asséné votre tirade sur la dissimulation, j'ai senti l'aiguillon du remords et j'ai préféré venir tout vous avouer. Sur ce, Raymond se leva avec un grand sourire et Poirot lui adressa un signe de tête approbateur. Ce fut très sage de votre part, jeune homme. Voyez-vous, quand je sens que quelqu'un me cache quelque chose, j'imagine toujours le pire. Vous avez très bien fait de venir me voir. Je suis heureux d'être lavé de tout soupçon, répondit Raymond en riant. Et maintenant, il faut que je me sauve. Et voilà, m'exclamai-je lorsque la porte se referma sur le jeune homme. Ce n'était que cela. Oui, opina Poirot, une bagatelle. Mais s'il n'avait pas été dans la salle de billard, après tout, 500 livres, bien des crimes ont été commis pour moins que cela. Chaque homme a son prix, et c'est ce prix qui fait pencher la balance. Tout est relatif, n'est-ce pas, mon ami? Avez-vous pensé que la mort de M. Ackroyd profitait à de nombreuses personnes dans cette maison? Madame Ackroyd, Miss Flora, le jeune M. Raymond et la gouvernante Miss Russell. Le seul qui n'y ait rien gagné, c'est le Major Blunt. Je le regardais intrigué. Il avait prononcé ce dernier nom sur un ton si bizarre. Je ne vous comprends pas, avouai-je. Deux des personnes que j'ai accusées de dissimulation m'ont dit la vérité. Vous pensez que le Major Blunt a lui aussi quelque chose à cacher? À ce propos, remarqua nonchalamment Poirot, ne dit-on pas que les Anglais ne cachent qu'une seule chose, leurs amours? Le Major Blunt s'y prend d'ailleurs très mal. Je me demande parfois si nous n'avons pas été un peu trop pressés de nous faire une opinion, observai-je, au moins sur un point. Et lequel? Nous avons admis que le maître chanteur de Madame Ferrars et le meurtrier d'Ackroyd n'étaient qu'une seule et même personne. Peut-être sommes-nous dans l'erreur. Poirot acquiesça avec énergie. Bien, vraiment très bien. Je me demandais si vous y viendriez. Bien sûr que c'est possible, mais n'oublions pas, la lettre a disparu. Mais comme vous le dites, cela ne signifie pas forcément que le meurtrier l'ait prise. Parker aurait pu le faire à notre insu, quand vous avez découvert le corps. Parker? Oui, par cœur, j'en reviens toujours à lui. Pas comme assassin, non. Il n'a pas commis le crime, mais il pourrait fort bien être le mystérieux coquin qui terrorisait Madame Ferrars. Personne n'était mieux placé que lui pour cela. Il a pu obtenir des informations sur la mort de M. Ferrars par un des domestiques de King's Paddock. En tout cas, il avait plus de chances de découvrir ce genre de détails qu'un hôte de passage comme le Major Blunt, par exemple. Oui, par cœur peut très bien avoir pris la lettre. Je n'ai remarqué sa disparition que plus tard. Combien de temps plus tard? Après l'arrivée de Blunt et de Raymond ou avant? Je ne m'en souviens pas, dis-je en pesant mes mots. Je crois que c'était avant. Non, après, oui, je suis presque sûr que c'était après. Ce qui porte à 3 le nombre de suspects, observa pensivement Poirot. Mais Parker est le plus vraisemblable. J'ai envie d'expérimenter quelque chose avec lui. Que diriez-vous de m'accompagner à Fairley, mon ami? J'acceptai, et nous partîmes sur le champ. Poirot demanda à voir Miss Ackroyd, et Flora ne se fit pas attendre. « Chère mademoiselle, dit mon compagnon, j'ai un petit secret à vous confier. Je ne suis pas très persuadé de l'innocence de Parker, et je me propose une petite expérience avec votre aide. Je voudrais reconstituer certains de ses faits et gestes, le soir du meurtre. Nous devons bien sûr lui fournir un prétexte. Ah, voilà, il s'agit de vérifier si... De la terrasse, on entend la voix de quelqu'un qui parle dans le petit couloir. Et maintenant, auriez-vous la bonté de sonner par cœur? Je m'en chargeai et le maître d'hôtel se montra instantanément, la mine aussi doucereuse qu'à l'ordinaire. Monsieur a sonné? Oui, mon bon Parker, je souhaite faire une petite expérience et pour cela j'ai demandé au Major Blunt d'aller sur la terrasse près de la fenêtre du cabinet de travail. Je veux savoir si, le soir du meurtre, une personne se tenant à cet endroit a pu vous entendre parler avec Miss Ackroyd dans le petit couloir. J'aimerais donc que vous me répétiez la scène. Voudriez-vous aller chercher votre plateau? Ou ce que vous portiez à ce moment-là? Parker s'éclipsa, et nous allâmes nous placer devant la porte du cabinet de travail, dans le petit corridor. Presque aussitôt un léger tintement se fit entendre. Dans le hall, et Parker apparut à la porte de communication. Il portait un plateau chargé d'un siphon d'eau gazeuse, d'une carafe de whisky et de deux verres.
Poirot semblait en proie à une agitation fébrile. Un instant, s'écria-t-il en levant la main. Procédons avec rigueur. Il s'agit de refaire les moindres gestes dans l'ordre, exactement comme cela s'est passé. C'est une de mes fameuses méthodes. C'est une coutume étrangère, si je comprends bien, monsieur, commenta Parker. Ce qu'on appelle la reconstitution du crime, n'est-ce pas? Et imperturbable, il attendit les ordres du détective. Ah, s'écria Poirot, ce brave Parker en connaît des choses. On voit qu'il a beaucoup lu. Et maintenant, je vous prie, tâchons d'être aussi précis que possible. Vous arriviez du grand hall, comme ceci, et mademoiselle se trouvait où exactement? Ici, dit Flora, en venant se placer devant la porte du cabinet de travail. C'est tout à fait cela, monsieur, confirma Parker. Je venais de refermer la porte, reprit Flora. En effet, mademoiselle, votre main était encore sur la poignée, comme elle est en ce moment. Allez-y, dit Poirot, jouez-moi cette scénette. Flora demeura au même endroit, la main sur la poignée, et Parker refit son entrée, son plateau devant lui. Il s'arrêta dans l'embrasure de la porte, et Flora prit la parole. Oh, Parker, monsieur Ackroyd désire ne plus être dérangé ce soir. Elle changea de ton et chuchota. Est-ce que c'est bien ça? Oui, Miss Flora, autant que je m'en souvienne. Mais il me semble que vous avez dit à présent et non ce soir. Et Parker éleva la voix d'une façon un peu théâtrale pour ajouter. Très bien, mademoiselle, dois-je fermer les portes comme d'habitude? Oui, s'il vous plaît. Parker retourna dans le hall où Flora le suivit. Puis elle s'engagea dans l'escalier central. Est-ce suffisant? Demanda-t-elle par-dessus son épaule. Superbe, dit le petit homme en se frottant les mains. Au fait, Parker, êtes-vous sûr qu'il y avait bien deux verres sur le plateau? Pourquoi deux? J'apportais toujours deux verres, monsieur. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Ce sera tout, je vous remercie. Parker se retira, drapé dans sa dignité. Et Poirot s'attarda au milieu du hall, les sourcils froncés. Flora descendit nous rejoindre. L'expérience a-t-elle réussi? Voyez-vous, je ne comprends pas très bien. Poirot, qui la contemplait d'un air admiratif, l'interrompit en souriant. Cela n'est pas nécessaire, mais dites-moi, y avait-il bien deux verres sur le plateau de Parker ce soir-là? Flora réfléchit un instant. Je ne me souviens pas vraiment. Il me semble que oui. Était-ce le véritable objet de l'expérience? Poirot lui prit la main et la tapota doucement. « Si vous voulez, je suis toujours curieux de voir si les gens vont dire la vérité. »« Et Parker a dit la vérité ?»« Je suis tenté de le croire, » répondit Poirot tout pensif. Quelques minutes plus tard, nous étions sur le chemin de retour. « Pourquoi avoir posé cette question sur les verres ? » demandai-je intrigué. Poirot haussa les épaules. « Il faut bien dire quelque chose. Cette question en valait une autre. » Je le regardai sans comprendre. « En tout cas, mon ami, » reprit-il avec gravité, « je sais maintenant une chose que je voulais savoir. Ne m'en demandez pas plus. » Chapitre 16. Une soirée de mahjong. Ce soir-là, nous eûmes une de ces petites réunions où l'on joue au mahjong, distraction très en faveur à King's Abbot. Les invités arrivent après le dîner, en manteau de pluie et caoutchouc, juste à temps pour prendre le café. Un thé est servi un peu plus tard, avec des gâteaux et des sandwichs. Pour cette petite réception, nous avions invité Miss Gannett et le colonel Carter, qui habitent à côté de l'église. Les langues vont bon train dans ce genre de soirée, ce qui parfois perturbe sérieusement la partie en cours. Avant, nous jouions au bridge, jeu tout à fait incompatible avec le papotage. Le résultat était désastreux, et nous trouvons le mahjong infiniment plus pacifique. Le temps des joutes verbales, entre partenaires, à propos d'une carte mal jouée par exemple, était définitivement révolue. Si nous exprimons toujours nos critiques avec franchise, elles ont perdu leur venin. « Quel froid ce soir, Shepard !» s'exclama le colonel Carter. « Cela me rappelle les défilés d'Afghanistan. » Il était debout devant la cheminée, le dos aux flammes. Caroline avait emmené Miss Gannett dans sa chambre, où elle l'aidait à se désemmitoufler. « Vraiment ? » rétorquai-je poliment. « Et ce pauvre Ackroyd, » reprit le colonel en acceptant une tasse de café. « Bien mystérieuse son affaire. À mon avis, cela cache pas mal de turpitude, soyez-en sûr. Tout à fait entre nous, Shepard, j'ai entendu prononcer le mot chantage. » Le colonel m'adressa ce qu'il est convenu d'appeler un regard entendu et ajouta. « Il y a une femme là-dessous.
Vous pouvez me croire, oui, une femme. Et je n'en démordrai pas. Ce fut à cet instant précis que Caroline et Miss Gannett me rejoignirent. Miss Gannett but son café pendant que Caroline allait chercher la boîte de Mahjong et répandait les tuiles sur la table. Asticons au parquet, dit le colonel d'un ton facétieux. C'est vrai, c'est ce que nous disions au club de Shanghai. Pour brasser les tuiles, astiquons nos parquets. Notre opinion personnelle à Caroline et à moi, c'est que le colonel n'a jamais mis les pieds au club de Shanghai, et même qu'il n'est jamais allé plus loin que l'Inde, où, pendant la Grande Guerre, il ne s'est battu qu'avec des boîtes de bœuf ou de gelée de prunes et pommes. Mais le colonel a la fibre militaire, et à King's Abbot, nous nous montrons particulièrement tolérants pour les petites manies de chacun. Si nous commencions, proposa Caroline. Nous prîmes place autour de la table et pendant près de 5 minutes, le silence régna. Nous construisions fébrilement nos murs, exercice qui prend toujours forme de compétition inavouée. C'est à qui finira le premier. À toi de jouer, James, dit enfin Caroline. Tu es le vent d'est. J'écartai une tuile et nous jouâmes un ou deux tours en silence. Mais à part quelques annonces laconiques comme trois bambous, deux cercles ou pong, sans compter les fréquents « non, pas pong » de Miss Gannett, justifié par son habitude enracinée, de réclamer des tuiles auxquelles elle n'avait pas droit. « J'ai aperçu Flora Ackroyd ce matin, » dit-elle tout à coup. « Pong, non, pas pong. » Je me suis trompée. « Et où cela ?» demanda Caroline. « 4 cercles. » « En revanche, » déclara Miss Gannett, sur ce ton hautement significatif dont les petits villages ont l'exclusivité, « elle ne m'a pas vue. »« Ah !» fit Caroline intéressée. « Tcho !» Miss Gannett en oublia son sujet pour un instant. « Je crois qu'on ne prononce plus Tcho maintenant, mais ciao !»« Sors net, j'ai toujours dit Tcho !» Au club de Shanghai, trancha le colonel Carter, nous disions Tcho. Domptée, Miss Gannett capitula, et Caroline s'absorba dans son jeu, pour s'en arracher quelques instants plus tard. Que disiez-vous au sujet de Flora Ackroyd? Était-elle seule? Oh que non! Ces demoiselles échangèrent un regard qui en disait long. L'intérêt de Caroline s'accrut considérablement. Tiens donc! Eh bien, cela ne me surprend pas du tout. Nous attendons que vous écartiez, Miss Caroline. Le colonel se donne volontiers l'air de mépriser les ragots et de ne songer qu'à son jeu. Attitude éminemment virile, mais dont personne n'est dupe. « Si vous voulez mon avis, » commença Miss Gannett, « est-ce un bambou que vous avez joué, ma chère ?»« Ah non, un cercle. Donc, à mon avis, Flora a eu beaucoup de chance, oui, vraiment beaucoup de chance. »« Comment cela, Miss Gannett ?» voulut savoir le colonel. « Je prends ce dragon vert pour faire un pont. »« Certes, Miss Flora est une jeune fille charmante et pleine de qualités, mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle a de la chance ?» « Je ne suis peut-être pas très au courant des questions criminelles, » déclara Miss Gannett sur un ton qui démentait ses paroles. « Mais je peux vous dire une bonne chose. Dans ce genre d'affaires, on cherche d'abord à savoir qui a vu la victime en vie pour la dernière fois. Et c'est toujours cette personne qu'on soupçonne. Or, Flora Ackroyd est cette dernière personne dans le cas présent. Et les choses auraient pu très mal tourner pour elle. Oui, vraiment très mal. Mon opinion, je vous la donne pour ce qu'elle vaut, est que Ralph Patton se cache pour la protéger. » En attirant les soupçons sur lui. « Allons, » la repris-je avec douceur. « Vous ne voudriez pas nous faire croire qu'une jeune fille comme Flora Ackroyd a pu poignarder son oncle de sang-froid. Ma foi, je viens d'emprunter un livre à la bibliothèque où on décrit les bas-fonds de Paris. Il paraît que les plus dangereuses criminelles sont toujours des jeunes filles au visage angélique. « Mais cela se passe en France !» s'écria Caroline. « Forcément, » dit le colonel, « mais laissez-moi vous raconter une histoire assez curieuse qui courait les bazars au temps où j'étais aux Indes. L'histoire du colonel était interminable, et sa seule curiosité résidait dans son manque total d'intérêt. Un événement qui s'est produit aux Indes et vieux de plusieurs années ne saurait être comparé à ce qui s'était passé à King's Abbot l'avant-veille. Caroline eut le bonheur de faire Mahjong, ce qui mit fin au récit du colonel. Après le moment toujours un peu embarrassant où je me voire forcé de rectifier les calculs approximatifs de ma sœur, nous entreprîmes une nouvelle partie. « Le vent d'Est passe, » annonça Caroline. « J'ai ma petite idée au sujet de Ralph Patton. 3 caractères.
Mais pour le moment, je la garde pour moi. Vraiment, ma chère, plaida Miss Gannett. Pong. Oui, maintint fermement Caroline. Et pour les bottines, était-ce la bonne réponse? Le fait qu'elles soient noires, je veux dire. La réponse exacte, oui. Mais qu'est-ce que cela signifie d'après vous? Caroline pinça les lèvres et secoua la tête d'un air sagace, bien renseigné. Pong, dit Miss Gannett. Non, pas Pong. Et maintenant que le docteur est dans les petits papiers de Monsieur Poirot, je suppose qu'il connaît les dessous de l'affaire. J'en suis loin, m'écriai-je. James est trop modeste, affirma Caroline. Ah, un Kong caché. Le colonel siffla entre ses dents et pour un moment, les potins furent oubliés. Et vous êtes vendominant, me dit-il, avec deux ponts de dragon, par-dessus le marché. Soyons vigilants, Miss Caroline nous prépare un gros coup. Pendant quelques minutes, nous ne nous parlâmes plus que pour annoncer, jusqu'à ce que le colonel demande. Et ce monsieur Poirot est-il aussi bon détective qu'on le dit? C'est le plus remarquable qui soit, dit pompeusement Caroline. Et il a dû se réfugier ici incognito pour fuir la publicité qu'il importune. Tcho, annonça Miss Gannett. Un grand honneur pour notre petit village, bien sûr. Au fait, Clara, vous savez bien, ma bonne, Clara est très liée avec Elsie, la femme de chambre de Fernley. Et devinez ce que Elsie lui a dit. Qu'on a volé une grosse somme d'argent. Et qu'à son avis, celui d'Elsie, une autre femme de chambre pourrait bien être impliquée dans l'affaire. Une certaine Ursula Bourne, qui part à la fin du mois et qui pleure beaucoup la nuit. Si vous voulez mon avis, cette Bourne est en cheville avec un gang. Une drôle de fille d'ailleurs. Elle ne s'est pas faite d'amis et sort toujours seule tous les jours de congé, ce qui est anormal et même franchement suspect. Une fois, je l'ai invitée à une de nos soirées de l'amicale des jeunes filles et elle a refusé de venir. Je lui ai alors posé quelques questions sur sa maison, sa famille, enfin tout cela, et je dois avouer que j'ai trouvé son attitude plus qu'impertinente. Avec toutes les apparences du respect, elle m'a carrément obligée à me taire. Miss Gannett s'interrompit pour reprendre haleine, et le colonel, qui se souciait fort peu de ses problèmes, fit observer qu'au club de Shanghai, la règle était de jouer à vive allure. Nous fîmes une partie à vive allure. « Et cette Miss Russell, dit subitement Caroline, elle est venue ici vendredi matin, soi-disant pour consulter James. Pour moi, elle voulait savoir où il rangeait ses poisons. » 5 caractères. « Tcho, fit Miss Gannett. Quelle idée surprenante. Je me demande si vous n'auriez pas raison. » « À propos de poison ?» commença le colonel. « Pardon, je n'ai pas joué. »« Oh, 8 bambous. »« Mahjong, annonça Miss Gannett. » Au grand dépit de Caroline qui annonça avec regret. « Avec un dragon rouge, j'avais une main de 3 doubles. »« J'ai eu 2 dragons rouges servis, déclarai-je. »« C'est bien toi, James, s'écria ma sœur d'un ton réprobateur. »« Tu ignores le véritable esprit du jeu. »« Il me semblait plutôt que j'avais assez bien joué. » Le mahjong de Caroline m'avait coûté un grand nombre de points, tandis que celui de Miss Gannett était un peu plus maigrelé, ce que ma sœur se fit un devoir de lui signaler. Le vent d'est passa, et nous commençâmes en silence une nouvelle partie. « Ce que j'allais vous dire, reprit Caroline, c'est ceci. »« Oui, fit Miss Gannett d'une voix encourageante. Je parlais de mon idée à propos de Ralph Patton. »« Oui, ma chère, insista Miss Gannett, de plus en plus encourageante. Tcho. » C'est avouer sa faiblesse que d'annoncer Tcho aussi vite, observa sévèrement Caroline. Vous feriez mieux d'attendre d'avoir une bonne main. Je sais. Vous parliez de Ralph, je crois. Oui, je crois bien que je sais où il est. Nous abandonnâmes notre jeu pour la regarder. C'est très intéressant, Miss Caroline, dit le colonel. Vous avez trouvé cela toute seule? Eh bien, pas exactement, voilà. Vous voyez cette grande carte du comté qui est accroché dans le vestibule. Nous acquiesçâmes d'une seule voix. L'autre jour, au moment de partir, Poirot s'est arrêté pour la regarder et a fait je ne sais plus quelle remarque. Je ne me rappelle plus très bien, mais il était question de Cranchester, la seule grande ville du voisinage, a-t-il dit. Ce qui est vrai, cela va de soi. Mais c'est seulement après son départ que j'ai compris. Compris quoi? Ce qu'il voulait dire, cela va de soi. Ralph est à Cranchester. Ce fut à ce moment précis que je renversai ma réglette avec toutes ses tuiles, ce qui me valut une réprimande immédiate de ma sœur, et pas trop sévère malgré tout. Elle était bien trop occupée à échafauder sa théorie. À Cranchester,
Miss Caroline, s'étonna le colonel Carter. Sûrement pas, c'est trop près d'ici. Mais justement, triompha ma sœur. Il semble maintenant prouvé qu'il n'a pas pris le train. Il a très bien pu aller à Cranchester à pied, tout simplement. Et à mon avis, il y est encore. Qui aurait jamais l'idée de le chercher si près? J'opposais plusieurs arguments à cette hypothèse, mais lorsque ma sœur s'est mis une idée en tête, rien ne pourrait l'en déloger. Et vous supposez que M. Poirot est du même avis? Demanda pensivement Miss Gannett. C'est une curieuse coïncidence. Mais cet après-midi, justement, je me promenais sur la route de Cranchester et je l'ai aperçu dans une voiture qui en revenait. Nous échangeâmes des regards significatifs. Ça, par exemple, s'exclama soudain Miss Gannett, je pouvais faire ma jonque depuis le début et je ne l'avais pas remarqué. Caroline en oublia ses passionnantes déductions et revint sur terre. Elle fit observer à Miss Gannett qu'une main aussi disparate, et surtout avec tant de tchou, ne valait pas la peine qu'on s'en serve pour faire ma jonque. Miss Gannett l'écouta sans se troubler, rassembla ses marques et rétorqua. « Mais oui, ma chère, je vois ce que vous voulez dire, mais tout dépend de ce que vous aviez en main au départ. N'est-il pas vrai? Vous n'aurez jamais une bonne main si vous ne savez pas attendre. Chacun joue comme il l'entend, n'est-ce pas ?» rétorqua Miss Gannett en comptant ses points. « Après tout, je ne m'en tire pas mal. » Caroline, qui ne pouvait pas en dire autant, se retrancha dans le mutisme. Le vent d'est souffla. Une nouvelle partie commença. Annie apporta le thé. Les deux demoiselles étaient un peu hérissées, ce qui leur arrivait souvent au cours de ces soirées récréatives. « Si seulement vous vouliez jouer un tantinet plus vite, ma chère, » dit Caroline à Miss Gannett, qui hésitait entre deux tuiles. « Les Chinois posent leurs tuiles si rapidement que l'on croit entendre le pépitement des oiseaux. Pendant quelques minutes, nous jouâmes comme les Chinois. Puis le colonel observa d'un ton bonhomme. « Vous ne nous avez pas beaucoup aidés dans nos déductions, Shepard. Quel cachotier vous faites? Vous partagez les secrets du grand détective et vous ne daignez même pas éclairer notre lanterne. » « James est inouï, » dit Caroline en me lançant un regard de reproche. « Il est tout bonnement incapable de vous donner le moindre renseignement. »« Je vous assure que je ne sais rien, » protestai-je. Poirot garde ses pensées pour lui. « C'est un sage, » gloussa le colonel. Il ne se compromet pas. « Mais quand même, ces détectives étrangers sont vraiment forts. Ils doivent en connaître des ficelles. »« Pong, » annonça Miss Gannett sur un ton de triomphe paisible. « Et ma jongle ?» L'atmosphère se tendit. Et le dépit de voir Miss Gannett faire mahjong pour la troisième fois poussa Caroline à déclarer, pendant que nous construisions un nouveau mur. « Tu es assommant, James. Tu restes là comme une borne sans rien dire. Mais ma chère, c'est que je n'ai vraiment rien à dire, en tout cas pas sur le sujet qui t'intéresse. »« Ridicule !» répliqua ma sœur en rangeant ses tuiles. « Tu sais certainement quelque chose d'intéressant. » Sur le moment, je ne répondis rien. La surprise et la joie me montaient à la tête. J'avais lu qu'il existait une main servie, Tin Ho, le mahjong d'entrée de jeu, également appelé, je crois, le favori de la fortune. Je n'avais jamais espéré la voir. J'eus le triomphe modeste et étalé mes tuiles, face visible, en annonçant. Tin Ho, le favori de la fortune, comme on dit au club de Shanghai. Les yeux du colonel faillirent lui sortir de la tête. Juste ciel, quel coup fantastique! Je n'ai jamais vu ça. Ce fut alors que, piqué par le persiflage de Caroline et enhardi par mon succès, je crus bon d'ajouter. En fait de détails intéressants, que penseriez-vous d'une alliance en or portant une initiale gravée à l'intérieur, le R? Je ne décrirai pas la scène qui s'ensuivit. Je dus préciser le lieu de la découverte et la date gravée sur l'anneau. Le 13 mars, commenta Caroline, il y a tout juste 6 mois. Ah! Suivit un véritable tourbillon de suggestions et de suppositions audacieuses, d'où émergèrent les trois théories suivantes. Celle du colonel Carter. Ralph avait secrètement épousé Flora, la solution la plus évidente et la plus simple. Celle de Miss Gannett. Roger Ackroyd avait secrètement épousé Madame Ferrars. Celle de ma sœur. Roger Ackroyd avait épousé sa gouvernante, Miss Russell. Une quatrième proposition, de loin la plus audacieuse, me fut soumise un peu plus tard par Caroline, tandis que nous montions nous coucher. « Retiens bien ceci, » déclara-t-elle tout à coup. « Je ne serais pas du tout étonnée d'apprendre que Geoffrey et Raymond et Flora sont mariés. Mais si c'était le cas, l'initiale serait G et non R. »
À savoir, certaines jeunes filles appellent leurs amis par le nom de famille. Et tu as entendu ce qu'a dit Miss Gannett ce soir sur la conduite de Flora. Pour être franc, je n'avais rien entendu de désobligeant sur ce sujet de la part de cette demoiselle, mais je m'inclinais devant cette science innée des allusions. Et que fais-tu d'Hector Blunt? Insinuai-je. S'il y a quelqu'un... Absurde, trancha Caroline. Il admire Flora, je te l'accorde. Il est même possible qu'il en soit amoureux. Mais tu peux me croire, aucune fille n'ira s'éprendre d'un homme assez âgé pour être son père quand un charmant secrétaire rôde dans les parages. Et si elle a encouragé le major Blunt, ce n'était qu'une feinte. Les filles sont tellement fines mouches. Mais il y a une chose que je peux t'affirmer, James. Flora Ackroyd se soucie comme d'une guinée de Ralph Patton et ne s'en est jamais souciée. Mets-toi bien ça dans la tête. Docilement, je me mis cela dans la tête. Fin de la deuxième partie. J'espère que vous avez apprécié la lecture de ce roman très immersif. Et sincèrement, même si je connais cette histoire, certes depuis très longtemps, j'apprécie beaucoup de me replonger dans ces atmosphères de meurtre dans un village. Je vous donne rendez-vous pour la suite. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir et merci.